Oups, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur LTU Radio. Voilà pour l'émission de Jacqueline. Mais Jacqueline n'est pas là. Voilà, Jacqueline est là. J'avais pas vu que c'était déjà en route. Ouais, si, je commençais tout seul. J'étais en train de dire que je t'attendais en fait. Ah ben c'est bien. Qu'est-ce que tu veux? C'est agréable d'être attendu par un bel homme comme ça. Ah bah tiens. Eh, qu'est-ce que tu Mais en tout cas, il y a déjà plein de bonsoirs qui arrivent. Hein. Jean-Pi, Nanou, qui c'est Flip, Flip. Nanou encore, Sabrina. Ben voilà, il y a pas mal et voilà, il y a plus, pas mal d'invités dans le chat. Il y a Jean-Pi, Mumia, Odile, Elsa Maria, Fafa, Lily, Flip, Sabrina, Nanou, Soso. Quelques invités, Nizou et Sophie. Voilà. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur notre radio, LTU Radio. Voilà. C'est la radio qu'il vous faut. T'as vu comment je fais la pub? C'est la radio qui me faut. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes de beau, Jacqueline? Eh bien, écoute, oh, ça résonne, ça résonne. J'ai un retour. Ah, moi, ici, c'est nickel. Ah, ben moi, j'ai un retour. Ah, ça y est, je l'ai plus. Alors, Voilà, je sais pas bon, si bah, tu as fait c'est le quelque temps que chose ça se parce que. règle. C'est magique. Ah, oui, c'est magique. Ouais. Voilà. Eh bien, Alors. écoute, voilà, que je vous attendais. Que j'attendais l'émission, là, c'est tout. Voilà. Voilà, je vous dirai quelque chose à la fin. Oui, on en parlera un petit peu à la fin tout à l'heure. Voilà. Alors, là, on va accueillir Elsa, qui voudrait parler à José. Voilà. Non, c'est pas le fromage, c'est pas José au moine. Ah, c'est pas José. Non, c'est pas José au moine. Donc, on va s'écouter Zaz d'abord. Et après, on rejoindra Elsa qui voudrait parler à José, qui est son papa. Ok. Voilà. Allez, on est parti avec Zaz. Tous les cris des SOS, c'est une reprise de Dalia Balavoine. Ah oui. Elle chante vachement bien. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne ltu-radio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt! Et nous voilà de retour sur LTU Radio pour La Plume de l'au-delà, l'émission qui vous permet d'entrer en contact avec vos proches partis de l'autre côté du voile. Et cette émission est présentée par Jacqueline. Voilà. Alors on rejoint, ou plutôt Myriam. Non, pas Myriam, Elsa, Non, pardon. Elsa nous Elsa rejoint. Maria, bonsoir. Décidément. Bonsoir, bonsoir Elsa. Bonsoir Jacqueline, bonsoir Jeff et Salut Elsa. bonjour aux auditeurs. Voilà, je vais vous laisser toutes les deux. Oui, À tout à l'heure. à tout à l'heure Jeff. Ah, Bonsoir Elsa. bonsoir Jacqueline. Déjà, je vous Alors. félicite parce que vous faites vraiment une très belle émission. Ah, merci, Et je vous c'est... remercie d'avance. Oui. C'est bien, c'est gentil. Alors Elsa, comme je ne vous vois pas, hein, je vais vous demander votre âge. Eh bien, je vais malheureusement faire mon demi-siècle au mois d'août. Malheureusement, oh là là, que c'est Mais vilain de... heureusement, Que, heureusement. ah oui, que Non, c'est... non, vous inquiétez pas, c'est juste ainsi. Ah oui, c'est au contraire, c'est maintenant que vous allez avoir les plus belles années maintenant. Je pense. Oui, voilà, c'est vrai que c'est ce carrefour-là, je sais pas pourquoi on a peur de le prendre alors que c'est... On a beaucoup plus de liberté parce que les enfants sont plus grands, parce que voilà, on a la maturité avec ça, et puis tout va être beau, vous allez voir. Je pense, je suis dans la même idée. Oui, et ben c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des petits soucis, mais malgré tout, ce sont des bonnes années. Façon Voilà. positive. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait pour José? Des questions, des quelque chose, qu'est-ce que... Eh bien, déjà, est-ce que vous réussissez à le capter? Oui, il est là. Il est là. Bonsoir, papa. Oui. Sizing.
Alors, moi déjà, savoir si lui, il est déjà dans la lumière. Oui, il est allé dans la lumière rapidement. Et comment je pourrais dire? Et il n'a pas récupéré de l'énergie tout de suite. Il est parti avec un manque d'énergie. Il était malade. Il était... Oui. Oui, voilà. Mais malgré ce manque d'énergie, il a été vite pris en charge. Et puis, bon, c'était quelqu'un de bien, votre papa. Oui, et voilà. Oui. Donc, ça fait qu'au niveau de son âme, son âme était très, très claire, très lumineuse. Son corps éthérique était fatigué, mais voilà, son âme était très lumineuse. Ça fait qu'il est, il est parti. Quand je dis il est parti assez vite, c'est parce que en principe, bon, il les emmène dans des lieux pour les reposer, pour les soigner, pour tout ça. Et il est parti dans ce lieu-là assez rapidement. Il y a combien de temps? Il est décédé avant son anniversaire, avant le 7 décembre 2013. Oui, c'est ça. Donc, oui, je voulais voilà. Savoir si c'était juste fait ou un peu plus. C'est pour ça qu'il est... Plus de 2 ans. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il est beaucoup mieux. Il est plein de lumière. Voilà ce que je dirais. Il est plein de lumière. Il vous dit que... Attendez. Oui. Voilà. Prenez votre temps. Voilà. Eh ben, c'est le temps qui manque, hein. C'est ça qui est embêtant. Je sais. Eh oui, ça, quand, comme ça à l'antenne. Alors, donc, José dit qu'il est heureux de vous avoir là ce soir, qu'il est heureux de pouvoir vous dire qu'il vous aime profondément et que son souhait, c'est que vous soyez bien. Que vous soyez heureuse dans cette vie et que vous sachiez prendre la route comme il faut la prendre. Voilà, alors je pense que vous comprenez ce qu'il veut dire là, sûrement. S'il pouvait en dire un peu plus, ce serait bien. Oui, mais ça serait bien aussi que vous compreniez. Parce que comme pour que ce soit efficace les messages, ça veut dire qu'il faut les comprendre, qu'il faut que ça résonne en soi et qu'on les comprenne. Il ne faut pas qu'on nous mâche trop le travail. Comprenez, Elsa? Ben, voilà. Ne vous inquiétez pas, on ne me mâche pas trop le travail. Voilà, il ne faut pas. Je suis assez vacances quand même. Oui, voilà. Donc, je pense, moi, dans le message qui vous a transmis, voyez, moi, déjà, je l'ai oublié, parce que quand ils transmettent comme ça oralement, je les oublie. Mais je sentais une résonance à l'intérieur de ça, je sentais qu'il y avait quelque chose de profond quand ils vous disaient ça. Donc, c'est désolant si vous ne l'avez pas compris. Parce que moi, je ne m'en souviens plus. Ben, je réécouterai. Oui, il faudra. Il faudra parce que là, moi, je sais qu'il y avait quelque chose de profond quand il l'a dit. C'est pour ça que je vous ai dit ce que vous comprenez. Parce qu'il y avait quelque chose là-dedans. Mon père n'était pas du tout croyant. Pourtant, moi, oui. Et j'ai toujours tenté de lui éclaircir l'esprit et de lui dire « Partez, papa », parce qu'il souffrait énormément. Oui. Est-ce que maintenant, une fois de l'autre côté, il comprend tout ce que je lui ai dit? Alors, il vous dit qu'il est toujours pas croyant comme vous. Ça, il n'a pas changé par rapport à ça. Pour lui, il n'était pas croyant. C'est pas qu'il ne croyait pas. C'était pas un athée, je veux dire. Hein. Il croyait qu'il y avait quelque chose d'autre, mais pas de la façon dont vous le croyez. C'est ça qu'il dit. Alors moi, je sais pas comment vous le croyez. Hein. Je vous réponds ce qu'il me dit. Mais vous n'aviez pas la même façon de croire. Voilà, vous n'aviez pas la même façon de croire tous les deux. Hein. Lui, il avait sa façon à lui. Il ne croyait pas en Dieu, il ne croyait pas en religion, il ne croyait pas dans les saints, il ne croyait pas tout ça. Mais il avait au fond de lui une croyance dans quelque chose d'éternel et dans quelque chose de plus grand que soi, de plus grand que soi. Alors, je ne sais pas, moi, votre différence de croyance à chacun, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Vous avez une croyance comment? Très, très dogmatique, ben, peut-être? Ben, je suis médium spirit. Oui. Donc, je sais ce qui se passe de l'autre côté. Oui. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant de discuter avec vous ce soir pour en savoir un peu plus là-dessus. Mmh. Mais médium spirit, ça ne veut pas dire pour ça que... Moi, je suis médium spirit, mais je ne suis pas du tout croyante dans... Ah oui, mais après, c'est à chacun d'avoir sa façon de comprendre ou de ressentir les choses. Allô?
Allô? Oui, je crois qu'il y a un bug. On a été coupé. Je vais rappeler Jacqueline. Je vais rappeler Jacqueline. Voilà, Jacqueline est demandée. Alors, Jacqueline. N'ayez pas peur. tu lui as fait peur. Je suis gentille. Ouais, mais pourtant, non, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là en plus. Non, mais je ne sais pas, elle a dû avoir un bug. Et non, la dernière fois, c'était mon PC hein, qui a craché. Ah, il y a des soirs, c'est comme ça. Hein. C'est très étrange. C'est peut-être orageux chez elle et puis il y a une mauvaise connexion, ça peut arriver aussi. Hein. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, le temps n'est pas terrible. Faut le dire. Jacqueline, Jacqueline. Ah non, impossible de connecter. Elle veut plus revenir. Impossible de connecter. Alors, bon, alors je vais la rappeler, je vais la rappeler. Ça va marcher, ça va marcher. Elle a dû éteindre son truc peut-être. Et... Alors, voyons voir. Bon, sinon, on va mettre une petite musique en attendant. Hein. Bah oui, tant qu'à faire pour les pauvres auditeurs. Eh oui, parce ça commence pas très bien. Parce que je crois qu'elle n'est plus connectée. Mais reviens, Jacqueline. Reviens. Reviens, je t'en supplie. On va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Oui, alors, il est chanteur en plus. Oui. J'ai gardé une place au soleil pour elle, pour moi. On a quand même un point commun tous les deux, c'est que tu entends des messages par les chansons. Moi, c'est exactement pareil aussi. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais c'est très intéressant. L'ennui, c'est que, c'est que Jacqueline ne chante pas. Elle n'est pas là. Non, elle est partie. Jacqueline, elle est partie. On a baissé le rideau. Youh. Alors, bon. Que maintenant, elle est déconnectée. Ah. Oui, ouais, elle est déconnectée. Elle est hors ligne. Bah donc, on va se passer, une musique et puis je vais essayer de l'appeler. D'accord. Alors, on va se passer Renaud, la balade nord-irlandaise, et puis on se retrouve. Tu ne quittes pas, tu ne raccroches pas hein? Non, non, je ne raccroche pas. Et je vais essayer de la joindre. À tout de suite. Voilà, on devrait retrouver Jacqueline dans les quelques secondes qui vont arriver. Allô, allô, Jacqueline? C'est bon, ça y est. Voilà, ça voilà. Ça y est. Ouf. Je ne sais pas combien de temps ça s'est arrêté. Combien de temps ça s'est arrêté? Bah 3 minutes, parce que c'est le temps d'une chanson. Ah bah c'est super. J'ai voulu planter à c'est super. Ah ben bah, j'avais perdu Elsa. J'avais perdu Elsa. Ouais bah c'est bien. Voilà. On a de la patience, allez, je c'est vous super. Relaisse. Ah ben bah, oui, j'ai eu une coupure et ça, voilà, ça a fait une mise en mise à jour. Voilà, ils s'en fait pas l'ordi. Hein. Oui. Oui, sans gêne, pas. Ils sont sans gêne, oui. Pour au moins demander la permission, quoi, je sais pas, bon, moi. Hein. Alors du coup, moi, ça m'a coupé le lien, là. C'est ce qu'on appelle une déconnexion. J'étais partie. Alors, je vais continuer sur une question. Alors, mon frère est décédé quelques temps après. Donc, on va dire en un espace d'un an, j'ai perdu mon frère aussi. Et je voulais savoir s'il était venu le chercher et s'ils étaient ensemble. Alors là, il n'est pas venu le chercher, il n'était pas en état de venir le chercher à l'époque. Il y a combien de temps qu'il est parti, votre frère? On se tutoie, Elsa, hein, je vais te tutoyer. Oui, d'accord, ouais. Avec grand plaisir, Jacqueline. Oui. En fait, il est décédé quelques jours, enfin, il a été retrouvé décédé quelques jours avant son anniversaire, au mois de mars 2015. Qui ça? Donc, ton frère? Ton frère ou ton père? Voilà, c'est ça. Mon frère. Mon père, c'était il y a 2 ans, au mois de décembre. Oui, c'est ça. 2013. Okay. Donc, c'est ton frère qui est venu chercher ton père? Non, mon frère est décédé après. Je me suis peut-être mal exprimée, pardon. Ah oui, c'est ça. Ouais, ben oui, parce que je ne comprenais plus, là. C'est pour ça que je... Donc, mon père est décédé avant mon frère, Joachim. Alors, par contre... Voilà. Ton père, oui. Seulement, ton père, il était très malade. Donc, ça veut dire qu'il a, mis plus de temps que ton frère a réalisé ce qui se passait et puis à être en état. Hein, c'est surtout ça. Il a été mis plus de temps que ton frère. Par contre, ton frère, il y a une femme qui est venue à ça, qui est venue le chercher. C'est pas un homme. Donc c'est pas ton père. La grand-mère. Voilà. Je pense que c'est une dame. Oui, une dame d'un certain âge qui est venue et qui l'a aidé à traverser quoi, à traverser le tunnel, à traverser le voile. Voilà, donc c'est lui. Et comment il s'appelle? Il s'appelle ton frère? Ou comment il s'appelle toujours d'ailleurs? Moi je lui parle toujours Joachim.
Joachim, voilà, c'est ça. Oui, moi ça me parle plus quand j'ai les prénoms. Ouais, Voilà, de mon papa, Joachim. José. Et puis, donc lui, Joachim, oui, c'est ça, il est parti avec une femme d'un certain âge, donc c'est vraisemblablement une grand-mère, oui, je pense. Mais autrement, il est parti, ça a été un petit peu plus lent, son voyage à lui, à ton frère. Un peu plus lent que celui de ton père. Ton père est parti assez rapidement. Comme si, je pourrais dire, comme si ton père avait déjà un certain état. Tu vois comment je pourrais dire? Comme si de l'autre côté, il avait récupéré rapidement un certain état de spiritualité. Oui. Voilà. Alors je parle de là-bas, je ne parle pas d'ici. Parce que Oui, ça n'a rien à voir. Hein. je comprends. Ouais, ça n'a Oui. rien à voir ici et là-bas. On peut récupérer vite, pour certains, on récupère vite sa spiritualité, pour d'autres un peu moins. Donc lui, il l'a récupéré assez vite. Et il est pas dans la même vibration que Joachim, par exemple. Il n'est pas dans la même vibration. Donc ils peuvent se rencontrer, mais d'après ce qu'il me dit, ils ne se voient pas toujours. Ils ne sont pas tout le temps ensemble, quoi. De te dire ça. Ah, d'accord, ok. Alors donc, pas toujours ensemble, c'est-à-dire que parfois ils se retrouvent, et puis d'autres fois, quand ils doivent travailler, c'est pas ensemble. Parce qu'ils n'ont pas la même fréquence vibratoire. Parce que C'est sûr. j'aime pas parler de niveau. J'aime pas dire ils sont pas du même niveau parce qu'on a tendance à mettre une hiérarchie dans les niveaux, alors que c'est pas ça du tout. C'est simplement une fréquence vibratoire différente. Différente, oui, tout à fait. Voilà. Et donc, que voulais-je dire? Dernièrement, j'ai eu beaucoup, parce que moi, j'ai beau être médium, mais je ne vois pas pour moi, si vous voulez, si tu veux, pardon, mais Oui, pour les autres, oui. c'est Par souvent contre, ça. je vois beaucoup mon père, vraiment beaucoup mon père et mon frère en ce moment en rêve. Oui. Est-ce qu'ils essaient vraiment de communiquer avec moi en ce moment? Oui. Oui. Ils voudraient bien communiquer avec toi. Mais c'est que tu ne sais pas ou c'est que tu ne les sais pas, toi? C'est peut-être que tu ne les sais pas. Je n'ai pas compris, excuse-moi. Je dis, est-ce qu'ils ne veulent. C'est pas qu'ils. Eux, ils veulent communiquer avec toi. Et toi, tu disais tout à l'heure que tu préférais pas. C'est que c'est toi qui veux pas ou que. Ah, mais non, 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 je n'ai jamais dit que je préférais pas. Au contraire, tous les jours, moi, je leur parle, je leur dis, fais-moi un T'aimerais? signe et tout. Oui. Il y a des signes, c'est sûr, il y a comme des cœurs que je trouve hein, de la part de mon père hein, ou des papillons pour mon frère. Donc, il y a quand même des signes assez distinctifs. Oui. Mais c'est vrai que je n'ai pas cette possibilité de communiquer directement avec eux comme je peux le faire avec d'autres entités, pour d'autres Oui. personnes. C'est ça qui est très frustrant. Et par contre, donc en rêve, j'ai vu mon père dernièrement en militaire. Et je me demande si lui, il n'est pas en train de m'aider en ce moment à éclaircir certaines choses. C'est pour ça que je voulais avoir un peu plus de renseignements. Si tu captes quelque chose, bien sûr. Il dit qu'il pourrait communiquer avec toi plus. Il y a la possibilité là, Elsa. Hein. Je crois que tu te mets toi un barrage, mais normalement, il y a la possibilité que tu puisses communiquer avec lui. Pourtant, je suis ouverte à... Oui, tu es Moi, il n'y a pas ouverte. de Non, problème. ça ne veut pas dire que tu sois pas ouverte, Elsa. Hein. Je dis tu te mets un barrage, c'est pas pareil. On peut être très ouvert et se mettre des barrages quand même. Si tu te mets un barrage, ça veut peut-être simplement parce qu'il suffit que ce soit un membre de ta famille pour que tu aies peut-être une certaine crainte de ne pas bien le recevoir ou de ne pas être assez objective ou tu vois, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que tu sois pas ouverte, ça. Alors tu peux être très très D'accord. ouverte et puis avoir ça. Et c'est ce qui est normal d'ailleurs. Et puis, il vaut mieux. C'est quand même, il vaut mieux avoir un petit peu de retenue que de se dire et d'avoir un ego complètement surdéveloppé et de se dire moi je peux tout faire. Tu vois, Oh c'est non, mieux. moi j'ai pas d'ego Voilà. surdimensionné, Voilà. je suis quelqu'un de très simple, Ben, mais. c'est pour ça que je te dis, tu dois, à mon avis, c'est que tu te mets des barrages sur des choses que tu peux faire. Parce que là, lui, il te dit que tu peux. Et qu'il y a des Pourtant, moi choses j'ai qu'il pas aimerait. l'impression, Que j'ai lui, pas il a, il y a des l'impression de choses faire des qu'il aime. blocages. Oui, mais tu sais, on ne les sent pas toujours, les blocages hein, qu'on peut avoir. Hein. C'est souvent les autres qui les voient plus que nous. Oui, Donc, je certain. pense que si tu peux pas, si lui dit qu'il peut et que toi tu dis que tu peux pas, c'est bien qu'il y a un blocage de ton côté à toi et pas du sien. Et lui, il préfère communiquer comment? Alors, lui, il dit qu'il aime communiquer directement en passant dans ton. Alors, attends. Alors, ce n'est pas par la clairvoyance, ni la clairvoyance, c'est directement par la pensée. C'est-à-dire qu'il passerait en toi dans tes pensées et toi, tu aurais la certitude qu'il est venu te renseigner.
Il, c'est pas D'accord. Je le quelqu'un qui. ressens, c'est ça. Voilà, c'est ça, par un ressenti, c'est ça. Un ressenti, des pensées qui. Ah, tu vas lui poser une question, puis d'un seul coup, tu as quelque chose qui t'arrive, et tu es certaine, tu sais que c'est lui qui est là, et c'est lui qui te répond. Tu D'accord, vois, tu n'as ok. pas besoin. Voilà, tu n'auras pas besoin de ou de clairvoyance ou de clairaudience. Il va passer directement par ta pensée. Ça veut dire qu'il est plus proche encore, en fait. Il est encore plus Parce proche. que y a des moments où je le ressens vraiment à côté de moi ou en moi. Voilà, c'est Je ça. sais Ben, pas c'est si je ça. suis folle, mais, Non, 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 ben, c'est je ça. C'est ça, c'est ce que je suis en le train de ressens. t'expliquer. Voilà. C'est de cette D'accord. façon-là. Alors, c'est vrai que c'est plus dérangeant parce qu'on se dit, mais ben, comme tu dis, hein, est-ce que ça va pas dans ma tête ou Je alors suis que. tarée. Voilà, c'est ça. Alors que non, non, tu vas très bien dans ta tête, c'est simplement que. Et il y a des choses voilà, qu'il aimerait te dire personnellement et qu'il n'a pas envie de passer par. Et il y en a, hein, il y a des entités comme ça Par qui n'ont pas envie de passer. chacune. Oui. Oui, parce que j'ai vu déjà pas mal de médiums, justement, parce que moi, je ne peux pas les avoir ou je n'ai pas pu les avoir à ce moment-là. La plupart m'ont dit des choses complètement aberrantes, quoi. C'était très difficile de croire, hein, de dire des choses vraiment sans aucune importance. Là, au Oui. moins, c'est pas des choses comme j'espérais, mais elles sont très claires et je les comprends. Oui, c'est ça. Quand tu le reçois, toi, tu veux dire? Là, dans la façon que tu viens de me Ah faire oui, d'accord. comprendre De comment te il discutait l'expliquer. avec moi, De te et l'expliquer. en fait, tu dis qu'il n'est pas avec mon frère alors qu'on m'a dit qu'ils jouaient même au football, hein, ensemble, alors qu'ils n'aimaient pas le football. Ah ben, Donc, oui. c'est bien Maintenant, de dire. tu sais, Elsa, tu peux très bien, comme je te disais tout à l'heure, hein, ils ne sont pas toujours ensemble. Maintenant, ils peuvent être ensemble parfois. Alors peut-être que les médiums qui te l'ont dit, c'était au moment où ils étaient ensemble. On Tu m'a vois? dit qu'il était venu chercher mon frère, Ah oui, alors par que exemple. non, là non, il n'est pas venu chercher Voilà. ton frère. C'est une femme âgée qui est venue chercher. C'est Marie Yadalouche. C'est ma grand-mère. C'est Ah oui, notre d'accord. grand-mère. D'accord. Et bon, voilà, je ne veux pas prendre plus de temps parce qu'il y a Alors, des personnes derrière. Oui, oui, par pardon. contre, il te dit de ne pas t'inquiéter, que ton chemin il est bien ouvert, il faut que tu aies de la patience, que les choses vont se faire. Il va falloir que tu aies de la patience. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire de la patience que ça va te perdre du temps, pas du tout. Mais ça veut dire que les choses ne vont pas se faire à ta vitesse à toi, mais elles vont se faire à la vitesse de ton âme et de ta conscience. D'accord, C'est tout à fait ça, Jacqueline. Bravo. Bravo. D'accord. Merci, Elsa. Je te remercie infiniment. Je suis vraiment dans l'émotion ce soir quand même parce que c'est mon petit papa, quoi. Et de qu'on me transmette ces messages. Et en plus, c'est vrai que j'ai découvert cette radio il n'y a pas très longtemps. Et j'ai adhéré par la simplicité, par la véracité. Même si je ne suis pas d'accord avec certaines choses, Jeff, il est au courant. Mais sinon, la globalité, on va dire 98%, vraiment, je vais faire la publicité à cette radio pour aider d'autres personnes aussi. En vous remerciant de tout le travail que vous faites, en tout cas. Merci Elsa. Ben oui, Voilà. mais Merci voilà. Eh ben, infiniment. continue ta route toi aussi avec confiance et c'est tout ce qui c'est tout ce qu'il faut. C'est C'est beaucoup, gentil. Jacqueline. Merci, Jeff. Merci à tous et très bonne soirée. Au Et revoir. très bonne soirée à Merci, toi. Au merci. revoir. Merci beaucoup. Au revoir Elsa, merci. Au revoir. Waouh. Oui. Là, c'était bien envoyé. Oui, c'est sûr. Bon, mais ben c'est bien. Ah ben c'est super gentil, ça fait plaisir. Ah oui, c'est très gentil. Ah oui. Très, puis très compréhensif de voir l'heure passer et puis de, alors que ça a pris sur son temps, la pauvre. Bah oui, mais voilà, c'est super. Ouais. Bon, alors on s'écoute Florent Pagny, ma liberté de penser. Ah ben tu vois, c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure, la Oui, bah liberté de voilà, ma penser. liberté de penser, voilà, j'ai pas fait exprès comme d'hab. Ah oui, tu vois. Tu Et serais pas médium, voyant, toi, par je sais hasard? pas, un petit peu, je crois. Ouais, un petit peu, hein? Je crois bien. Je crois qu'on m'a eu dit ça. Un médium m'a dû me dire que j'étais voyant. Ah, bah, tu vois. Ah, bah, écoute, je viens de te le dire, moi aussi. Alors, c'est Mireille après, je crois. Hein, Alors, c'est Mireille après, pour oui. Marc, son ami. Oui, c'est Et ça. voilà. Et dans l'intervalle, on s'écoute Florent Pagny, ma liberté de penser. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne?
Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur deux vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt! Voilà, et donc le rendez-vous est pris avec Kate pour l'arbre aux étoiles et la psychogénéalogie mardi prochain à partir de 21h30. Donc je vous invite à vous inscrire dès aujourd'hui pour participer à cette émission et obtenir un thème gratuit par LTU Radio et notre amie Kate Verrept. Voilà, on retrouve Jacqueline avec Mireille, je crois. Allô, allô, Mireille est là ? Allô ? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, ça allô va, Mireille. Vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Oui, bonsoir. Oui, oui. Bonsoir, Jeff. Ça va ? Bonsoir, Jacqueline, oui, oui. Oui, bonsoir, Mireille. Je pensais que vous m'entendiez pas. Oui, 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 on entendait bon. Très bien. Ah, ça va. Voilà. voilà. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Jeff. Oui, Mireille. Mireille, Mireille. Oui, bonsoir. Bonsoir. Il me faut ton âge. 46. Ah, t'as hésité, hein, tu savais plus ton âge ? Si, si, non, mais c'est au mois de décembre, donc je passe pas, tant que c'est pas passé. Ah, mais t'as raison, hein, t'as raison. Normalement, tant que c'est pas passé, voilà, c'est que t'es donc... pas né. C'est que t'es voilà, pas né encore. Donc 45, voilà. Alors c'est 45, c'est ça. Bah oui, surtout si c'est décembre, c'est oui. Loin quand même. C'est encore loin. Oui, c'est pour ça. On va rester oui. 45. Écoute, je sais pas, ton ami Marc, c'était quelqu'un qui avait de l'humour. Hein? Bah, je vais vous expliquer un petit peu plus parce que bon, quand je me suis inscrite, j'ai pas trop insisté. En fait, si vous préférez, c'était mon premier amour de jeunesse. Oui. Oui. Voilà. Donc après, bon, ben, chacun, quand on s'est séparés, chacun est parti de son côté. On est resté 8 ans ensemble. Ah oui, quand même. En ménage et tout ça. Donc voilà. Donc ouais. Suite à ça, après chacun a fait sa route, hein. On a chacun rencontré une autre personne, on a eu des enfants chacun de nos côtés, mm-hmm. Et on se rencontrait de temps en temps en fait. Donc on s'était revus quelques temps avant, avant qu'il décède quoi. C'était plus qu'un amour de jeunesse, voilà. Ça, c'était quand même pas mal, 8 ans avec quelqu'un. Un amour de jeunesse, c'était voilà, c'est une personne, c'est je vous dis un amour de jeunesse dans le sens que voilà, on était jeunes quoi, on était. Oui. Avoir, 17 ans. Ben oui, mais t'es encore très jeune, hein. 45 ans, c'est encore très jeune, hein. C'est pour ça. C'est quelques années ben, quand même, oui. Donc voilà. Oui, je te demandais si c'était, s'il avait de l'humour, parce qu'il a commencé en disant « Une belle journée d'ici que je t'envoie, pleine de soleil, comme tu les aimes. » Voilà. Oh, c'est joli. C'est joli, hein. Alors je me suis dit « Tiens », et puis en plus de ça, voilà, de la manière dont il parlait, j'ai dit « Tiens, c'est quelqu'un sûrement qui devait aimer la vie et puis aimer aimer avoir quand même un certain humour par rapport à la vie quoi. Il prenait bien les choses comme elles arrivaient et puis voilà, donc il t'envoie ça, c'est comme voilà quand tu oui quand vous étiez ensemble oui. Souvent, hein. Oui c'est pour ça que je t'ai demandé si là ouais bah ça m'étonne pas, je le ressentais comme ça dans ce petit mot là qui te donne c'est beau. Oui, j'ai trouvé que c'était très poétique. Et tu les aimes dans ces journées pleines de soleil ? Tu aimes les journées pleines de soleil ? Oui. Oui, avec un prénom oui. Comme ça, Mireille en plus, ah oui. C'est le soleil du sud, ça, Mireille. Oui. Voilà, alors donc, tu avais des questions à lui poser peut-être ? Ouf, ben c'est pas évident. En fait, si vous préférez, j'ai essayé plusieurs fois de le joindre avec le pendule. Oui. Donc, je suis passée il y a quelque temps avec la TCI. On oui. L'a eu par TCI. Oui. À votre radio, il était venu. Hein. J'avais eu quelques messages. Et puis bon, faut me conseiller de continuer à lui parler par le pendule, mais bon, je vous cache pas qu'à l'heure actuelle, j'ai un petit peu abandonné, parce que moi, j'ai l'impression que ça vient de moi, puis bon, après, je veux pas trop déranger non plus, parce que je sais que c'est pas trop bon de le faire régulièrement. Donc, Alors là, il te répond que bon, après, des questions. Ouais, il te répond que c'est trop difficile avec le pendule.
Lui, il dit ça, que c'est trop difficile avec le pendule. Voilà. Donc, je pense que. Je sais Je pas, moi, l'ai, lui. j'ai jamais Voilà. essayé, donc je sais pas du tout comment ça fonctionne, ça, avec le pendule. Tu poses des questions et puis tu as la réponse avec le pendule, c'est ça? C'est comme ça? On fait quand même un cercle avec les lettres, quoi, et on met, bon, c'est un petit peu Ah comme, oui, c'est ça. oui, D'accord, vous c'est de mettez, cette façon. voilà, et c'est par les lettres que, voilà, le Voilà. pendule va en direction des lettres. Oui, c'est ça, oui, On comme m'avait on dit fait. que c'était bien lui que j'avais, hein, à l'époque, hein, Oui, mais bon, là, mais les c'est. derniers temps, je Oui. vous avoue que... Ah oui, que tu savais plus. Parce qu'il dit que simplement que c'est trop difficile, que c'est trop difficile avec le pendule. C'est sûrement, ouais, c'est peut-être pour eux plus compliqué d'avoir à faire bouger comme ça les. À faire bouger, je sais Ouais, pas. c'est Peut-être ça. pas évident non plus. Et puis, mais Sinon, maintenant, ben, en question, vas-y. tu disais là à Pardon. l'instant que. Excuse-moi, oui, c'est moi qui continue parce que t'as dit quelque chose et je voulais Non, c'est pas rebondir grave. dessus pour te donner une explication. Tu sais, t'as dit, oui, j'ai arrêté parce que c'est peut-être, je les dérange trop, je le dérange trop, non? T'as dit quelque chose comme ça. Voilà. Je le Et fais souvent, oui. je vais rebondir dessus pour vous dire à toi et aux auditeurs hein, que on ne les dérange pas, en fait, les entités, enfin les personnes comme ça, on les dérange pas. Parce que si ils ne peuvent pas venir, ils ne viennent pas. Et on ne les dérange pas aussi dans un sens, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis ça, parce que leur temps n'est pas le nôtre. Ça veut dire que pendant que toi tu corresponds avec lui, d'accord, il va être là, mais pendant le temps où toi tu vas faire tes affaires quotidiennes, tu vas t'occuper de ta maison, tu vas aller travailler, tu vas dormir, tout ça, pendant tout ce temps-là, lui il continue d'étudier, d'évoluer. Il faut bien se mettre dans la tête que leur temps n'est pas le nôtre. Et ceux qui disent qu'on les dérange, c'est parce qu'ils pensent que leur temps est le même que le nôtre, alors que c'est pas du tout, du tout, du tout le même. Leur passe, Rassurant. voilà, le nôtre passe très très vite à côté du leur. Alors, il faut pas hésiter. Oui, parce S'ils ne sont pas disponibles, ils ne viennent pas. C'est que tout. Voilà. Alors donc, il faut D'accord. Oui, pas. exact, je vous confirme. Des fois, C'est-à-dire? quand je l'ai eu, il vient me dire qu'il est là, enfin, mais qu'il ne peut pas rester. Voilà, c'est ça. Qu'il est C'est ça. occupé, Il est occupé. qu'il a des choses à faire. Oui, c'est tout à Donc, fait c'est ça. vrai que j'ai eu une période où j'arrivais pas du tout à l'avoir parce qu'il me disait, voilà, il passait, et il disait, voilà, je suis Il n'était pas occupé, libre. enfin, je ne peux pas rester, quoi, nous. C'est Voilà. ça. C'est ça. Donc, je Exactement. voulais pas trop. Et oui. Et puis c'est facile à comprendre, hein. C'est facile à comprendre dans le sens où leur temps n'étant pas le même que le nôtre, voilà, ils perdent pas de temps avec nous. Au contraire, ils savent très bien qu'en venant, ils nous font évoluer. Parce que regarde, à chaque fois que tu vas avoir un message de quelqu'un que tu aimes et qui est parti de l'autre côté, ben, ton cœur va battre, il va être en joie et tu vas être bien après toute la journée. Résultat, ça te fait une élévation de fréquence vibratoire et ça te fait une évolution. Donc eux, ils sont pour ça, ils veulent qu'on évolue. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en général, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de les appeler pour leur demander si on va gagner au loto ou si on va avoir une augmentation de Ah salaire. Ou, oui, voilà, c'est, il faut pas s'amuser à les faire déplacer pour ça, parce qu'ils sont pas là pour ça. Mais dans ces cas-là, là, on va voir un voyant ou une cartomancienne et puis il va nous le dire, hein. On n'a pas besoin de les déranger. Mais eux, par contre, ce qu'ils aiment faire, c'est nous aider à avancer. Voilà. Te rassurer, par exemple, tu vois, et il te dit, par exemple, qu'il est bien. Qu'en ce moment il est bien et il te dit que tu t'occupes pas assez de toi. Voilà, tu ne t'occupes pas assez de toi. Alors peut-être que tu fais trop beaucoup pour les autres et pour toi pas grand-chose. C'est pas Oh non, ça? mais c'est que là, en ce moment, j'ai une période assez compliquée, donc je suis en Oui. attente de beaucoup de choses, Ah ben rien voilà, qui c'est pour ça. évolue, donc c'est vrai C'est que ça. Ben c'est pour ça. je reste en Alors suspens, quoi. lui, ce qu'il veut dire, c'est que si il y a rien qui évolue, c'est que pour l'instant c'est pas le moment. Ça veut dire que tu es peut-être dans une période où tout est arrêté et tu dois attendre que les choses se mettent en place. Alors, ce que tu vas faire, eh ben, tu vas laisser ce temps au temps. Et comme il te dit, tu ne t'occupes pas assez de toi, eh ben, pendant cette période-là, essaie de faire des choses qui te font plaisir à toi. Tu vois? Fais des choses qui te font plaisir. Voilà, c'est ça D'accord. qu'il veut dire. Occupe-toi de toi. Il t'a dit que lui, il était bien là où il était. Alors, toi, tu t'en occupes pas assez de toi. Alors pour l'instant, si les choses que tu veux faire avancer n'évoluent pas, c'est parce que tu es dans une période de creux, un creux de vague, comme on dit, tu vois. Ou quand on tire, les cartes, il va sortir des Saturnes, plein de Saturnes. Et les Saturnes, ben le Saturne, c'est une planète qui est lourde et qui fait que rien n'avance dans cette période-là. Et tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a rien qui va avancer dans cette période-là. Alors c'est plus la période où tu dois faire germer un projet, par exemple.
Si tu as un projet, eh ben, tu vas en profiter pour tranquillement, chez toi, y penser à ton projet et le mettre en place. Le mettre en place de toutes les façons possibles, aussi bien dans ta pensée que dans les... Si tu dois faire, par exemple, des projets, ben, tu as peut-être un dossier à monter, tu as peut-être des choses à faire comme ça. C'est le moment de le faire dans ces cas-là. Mais pas, ça ne va pas avancer plus vite que ça, quand c'est ce genre de période. Mais par contre, il te dit que tu ne t'occupes pas assez de toi, ça veut dire profite à ce moment-là, de cette période-là, pour t'occuper de toi, pour te faire plaisir, pour te faire des choses qui te font plaisir, et tu n'es pas obligé d'aller dépenser des centaines de mille euros pour ça. Tu peux très bien te faire plaisir, ne serait-ce que en allant chez le coiffeur, en allant faire un tour avec des amis, en allant au cinéma, ou en restant tranquillement chez toi à lire un livre. Tu vois, faire des plaisirs comme ça. Tu comprends ? Il voit que je fais rien, quoi. Oui, là, exact. C'est ça. Voilà, je suis là, c'est ça. J'attends que ça passe, et puis voilà. Et voilà. J'ai du mal à faire beaucoup de choses. Tu as du mal à avancer. Mais maintenant, c'est peut-être pas dû à toi non plus. C'est peut-être simplement parce que c'est pas le moment d'avancer. Donc, mets en place des projets. Tu en as des projets ? Mais en ce moment, je suis à la recherche d'un emploi. Je vous avoue que c'est pas ça du tout. Ça, oui. Il y a rien. Il n'y a rien qui vient pourtant. Oui. Ça fait un petit moment que j'essaye. Et, puis, et tu cherches oui, j'ai quoi quelques comme... projets, oui. Qu'est-ce que tu cherches comme emploi ? Bon, ben avant, j'étais dans la sécurité. Puis bon, après, j'ai eu un petit garçon. Donc, au niveau des horaires, c'était plus ça. Donc, je ne vous cache pas que je cherche un peu dans le tout, quoi. Ah ben, pas un but précis, quoi. Et oui. Mm. Et tu n'as pas quelque chose que tu as envie de faire Tu n'as rien que tu as envie de faire qui te plairait, voilà, par exemple. La sécurité me plaisait, hein, tout ce qui est accueil et tout ça, si, au niveau de l'accueil. Ouais. Eh ben oui, voilà. Quelque chose comme ça. L'accueil, tout ce qui est comment on appelle ça, commercial. Tout ce qui est commerce. Quand vous voyez, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça ne me revient pas. Oui. Voilà, tout ce qui est accueil, tout ce qui est public, ouais. Tout ce qui est dans le public et tout voir, ça. Oui. Voir du monde, voir des choses comme ça. Oui. Voilà. Alors moi, ce que je peux. Pour moi, c'est pas le cas. Quand je me renferme, c'est ça. C'est pour ça qu'il te dit ça. Tu ne t'occupes pas assez de toi. Ça veut dire qu'il faut pas rester. Il faut pas que tu te renfermes. Au contraire, il faut que tu sortes, que tu bouges, que tu ailles te promener, que tu ailles faire des choses comme ça. Mais chercher un emploi, c'est vrai que quand on n'a pas de but, c'est encore plus difficile à trouver. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait un but qui soit mis en place, de façon à te dire, par exemple, admettons, tu aimes la sécurité. Bon, c'est pas parce que t'as un enfant que tu peux plus le faire maintenant. Tu peux sûrement trouver à le faire. Seulement, il faut vraiment que tu te le mettes dans ta tête et que tu aies envie. Parce que si tu n'as pas envie, ça va te saper tout. Tu trouveras pas. Ah, tu vois, je ne sais pas qu'au niveau de motivation, j'en ai pas beaucoup en ce moment. Eh ben voilà. c'est vraiment... ça. Ouais. Et tu sais pas de quoi ça vient ? Je vois ce qu'il veut dire, quoi. Voilà, c'est ça. Tu sais pas de quoi ça vient ? Une séparation assez difficile. Ah, donc, d'accord. Une séparation assez difficile dernièrement, donc je pense que ça y fait beaucoup. Ah ben ça y fait, oui bien sûr que ça y fait. Ça veut dire que là, tu es en train de faire une toute petite dépression, et puis voilà, c'est pour ça que tu n'as plus le goût à rien du tout. Donc c'est pour ça qu'il te dit sortir. Moi, d'accord. Je comprends. Je m'en occupe en ce moment, donc je la traite, donc voilà. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il te dit ça. C'est pour ça qu'il te dit ça, Mireille. Ça veut dire qu'il faut que tu sortes un petit peu. Sors de chez toi. Il ne faut pas que tu restes confiné chez toi. Qui est la famille. Ouais. Oui, j'essaye de bouger un petit peu quand même. Oui. Avec les enfants, c'est ce qui me permet de me déplacer. De voilà. Si je n'avais pas les enfants, peut-être que là, je ne sortirais pas du tout. Oui, c'est ça. Donc, et puis, ce n'est pas bon, ça. C'est pas bon. Et puis maintenant, tu commences à déposer des dossiers, à déposer des choses comme ça, avec tes CV, avec tout ça, pour pouvoir le temps. Mais tu sais, si toi, dans ta tête... le chômage... Et oui, mais c'est pas que le chômage, hein, c'est que toi, dans ta tête, t'es pas prête. Parce que ça y fait. Hein. Parce que, honnêtement, je vais vous dire, j'ai envie, oui, parce que bon, j'ai envie de bouger, de changer un petit peu de vie, quoi. Oui. Mais intérieurement, je vais être contente, je vais me réjouir dès que je vais voir quelque chose, une annonce qui me plaît, je vais postuler tout ce que vous voulez. Mais après, bon, ben voilà, quoi, je suis installée, quoi. En fait, tu baisses les bras. Ouais. Après, tu baisses les bras. Voilà. Parce que... Oui, mais c'est normal, hein. Tu dois être, je te dis, si ça se trouve, tu es dans ce creux de vague-là. Alors ce creux de vague, eh bien, il faut le temps qui passe, parce que bon, il ne me dit pas que c'est prêt à s'arrêter, hein, là, hein. Il ne dit pas ça du tout. Il dit simplement qu'il faut que tu t'occupes de toi. Et que... Pardon ?
Qu'est-ce que tu dis, Mira? Ça fait un petit moment que ça dure, là, maintenant. Eh bien, oui, ça fait un petit moment que ça dure. Ça fait un petit moment que ça durait, là. Ça fait waouh. Oui. Seulement, tu sais, Mireille, tu connais hein, l'adage qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera hein. ». Et tu sais ce que ça veut dire, ça. Ce que ça veut dire, c'est que si on ne fait rien de notre côté, le ciel ne peut pas nous aider. Voilà. Alors, ce que tu peux faire, toi, c'est te dire, bon, ben là, j'ai décidé, je vois telle entreprise, je veux aller travailler là, et puis tu te mets en marche pour y aller. Et puis, dans ta tête, tu te dis, je vais l'avoir, parce que je le veux et je vais l'avoir. Et pas te dire, oh là là, peut-être que je ne vais pas l'avoir. Tu comprends? Voilà. Et ça marchera, c'est ça. C'est positif en ce moment, oui, c'est vrai. Et oui. Ouais. Mm-hmm. Mais ce qui est normal, quand on passe des périodes difficiles dans la vie, c'est normal qu'on ait des périodes où on baisse un peu les bras, où on en a un peu marre. Et puis, mais regarde, t'es toute jeune, 45 ans, tu te rends compte un peu. T'as largement du temps devant toi. T'as encore autant de temps devant toi que ce qui est derrière, alors tu vois. C'est fabuleux, quand même. Ben oui. Eh oui, ça fait en moyenne, hein, parce que la moyenne, c'est arrivé à 95 ans pour les femmes. Alors tu vois, hein, ça fait que ça te fait pas mal de temps. Eh oui. Alors, c'est pour ça que je te dis, et puis quand tu comptes dans les 45 ans tout ton temps où tu as été bébé, où tu as été enfant, où tu as été adolescente, eh ben il n'y a pas 45 ans, il y a beaucoup moins. Tandis que ce qui te reste maintenant, ben, ça va être des 45 ans d'adulte avec tout ce que tu as envie de faire et tout ce que tu vas réaliser. Mais là, il faut te mettre en route pour ça. J'avoue que de ce côté-là aussi, je vois pas la suite, quoi, en fait. Oui. C'est vrai que c'est un peu affolant. Mes façons de penser en ce moment, c'est un peu ouf. Et oui, mais là, c'est sûr. Hein, c'est... Oui, c'est sûr, Mireille, pour toi, c'est bloqué, ça, c'est sûr. C'est tellement bloqué que même lui, il n'arrive pas à te dire ce qui va se passer devant. Tellement c'est bloqué, tu vois. Il doit être désespéré, lui. Si maintenant, il doit être désespéré. J'avoue que souvent, je me confie. Enfin, je lui parle, Non, il te dit qu'il n'est pas désespéré, mais il est désolé. Voilà, il est désolé parce que... Ouais, désolé plutôt, oui. Il est désolé parce qu'il il dit qu'il y a des choses que tu peux faire et que tu ne fais pas. Voilà. Et donc, ce qu'il veut dire, c'est ta prise en charge. Tu ne la fais pas, ta prise en charge. C'est plus dans ce sens-là qu'il est désolé, tu vois. Il faut vraiment que tu te bouges, quoi. Alors, c'est ce qu'il me dit, hein, un coup de pied aux fesses, il me dit. Alors, tu vois. Ça ne m'étonne pas de lui. Oui, non, mais bon. Quand je lui parlais au pendule, il était rassurant, quoi. Il me soutenait, il était... Même si je ne lui posais pas de questions, c'est lui qui venait vers la situation, qui parlait... Et après, c'est vrai qu'on se dit toujours, est-ce que c'est lui? À la fin, on a ce doute. Oui. De se tu dire, sais, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est moi Oui, souvent, mais ça ne fait rien, même si c'est toi. Même si c'est toi, c'est pas grave. Ça veut dire aussi que tu sais, on a notre libre arbitre, on a notre subconscient aussi qui travaille et qui nous aide à avancer. Donc même si, admettons, ce soit pas lui qui te dise les choses, ça veut dire que tu les reçois quand même, toi. Ça veut dire que tu es en relation avec ton être intérieur et ton être intérieur, il est aussi fort. Ça veut dire qu'il sait ce dont tu es capable, toi. Et puis il t'apporte des informations. Donc, il faut que tu aies confiance. Ne te dis pas, c'est peut-être pas lui, ne te dis pas ça, parce que ça va te faire baisser encore au quatrième sous-sol. J'ai l'impression que c'est ce que je vais entendre. C'est tellement rassurant que je me dis que c'est ce que je vais entendre et c'est peut-être moi qui crée le... Alors, dans ces cas-là, toi, tu vas créer, parce qu'on est créateur. Ça veut dire que même si c'est pas lui et que c'est toi ce que tu veux entendre, eh bien, dans ce cas-là, accroche-toi à ce que tu veux. Parce que ça veut dire que ce que tu veux, tu peux le réaliser. Dis-toi bien que notre pensée est créatrice. Hein. Alors, ça veut dire que toi, quand tu te dis des choses comme ça, ça veut dire que tu es capable. Tu es capable de le faire arriver. Mais il faut que tu y crois. Tu comprends? Oui. Et moi, je suis persuadée qu'il y a plein de choses en toi. C'est tellement beau des fois qu'on se dit... Voilà. Mais, voilà. Beau, c'est tellement beau que... C'est pas possible. Hein, tu te dis, c'est tellement beau que c'est pas possible, tu te dis. C'est ça? C'est pas que c'est pas possible, parce que bon, non, c'est pas, enfin, c'est, on a peur, voilà, on se dit, bon, là, c'est bloqué, il y a rien qui avance, et puis quand on nous dit des choses, quand on nous parle, comme Marc, si c'est bien Marc, il est très rassurant, quoi, sur l'avenir, sur tout ce qui arrive, quoi, tout ce qui suit derrière, quoi. Mais voilà, on se dit, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est lui? Oui. Alors, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. D'abord, parce que pour lui, ce qui est devant, c'est bien. Et il a raison, ce qui est devant, c'est bien. La seule chose, c'est que pour nous, on est contraint par le temps. Ça veut dire que si lui voit que dans, par exemple, 4-5 ans, ça va être bien pour toi,
il peut pas te dire dans 4-5 ans ça va être bien. Parce qu'entre-temps, pendant ces 4-5 ans, toi, il va falloir que tu galères, il va falloir que tu avances, il va falloir que tu marches, il va falloir que tu fasses tout le travail pour arriver à ces 4-5 ans où tu vas être bien. Et ça, il peut pas te le dire parce qu'il ne le voit pas le temps. Donc lui, il voit que ce que oui, tu engages et que ce que tu vas avoir. Alors il a pas tort quand il te dit ça. Ce que tu vas avoir, ça sera bien. Mais pendant ce temps, tu vas avoir une période de désolation sûrement, une période de traversée du désert, ce qui est normal. Dans la vie, on en a tous. On en a tous. Hein. Oui. Eh oui, on a toujours. Tu ne crois pas que tu vas vivre une vie lisse. Il y a des hauts et des bas, ouais. Voilà, il y a toujours des hauts et des bas. Oui, mais oui. Quand tu es dans le bas, dis-toi, tu seras dans le haut après. C'est obligé. La roue tourne. Donc, tu ne peux pas rester dans le bas tout le temps. Tu comprends? Alors dis-toi bien que ce qu'il te dit, c'est vrai. La seule chose, c'est qu'il te le dit dans un temps. Voilà, dans un temps imparti. Par exemple, pour lui, il doit te le dire dans quelques années. Effectivement, moi, je ne pense pas que c'est tout de suite non plus que ça va s'améliorer pour toi. Parce que là, je ne sens pas que tu as envie de bouger pour l'instant. Mais dès que tu vas avoir envie de bouger, ça va se mettre en place. Ça va se mettre, je t'assure, dès que tu auras oui, envie. Je voudrais que ça bouge, mais bon, c'est. Voilà, il faut. Pas évident. Comme il te dit, coup de pied aux fesses. Voilà. Le matin ou dans la journée, tu te dis, bon, coup de pied aux fesses, je me bouge. Et là, ça va marcher. Mais c'est pour l'avenir qu'il te dit que ça va aller. Et les choses vont se mettre en place. Tu ne vas pas rester tout le temps comme ça. Alors, tu as peut-être encore quelques mois ou une année ou deux encore à te chercher, à chercher ce que tu veux. Et puis, d'un seul coup, ça va se débloquer. Mais les choses se débloquent, c'est obligé. Donc, s'il te l'a dit, crois-le. Ça va se faire. Croisons les doigts. Ah oui, s'il me l'a dit. Oui, bien sûr. Qu'il me ça dit, va se faire. Je vous dis, c'est tellement beau certaines choses qu'on se dit, est-ce que c'est pas toi qui espère entendre ça, quoi? Oui. Ben non, voilà, ne te le dis plus. Ne te le dis plus. Dis-toi simplement, il me le dit, c'est que ça va arriver. Et ça sera beaucoup plus productif. Tu comprends? Oui, parce que si, oui, si j'ai le côté où je réfléchis, où je... Oui, c'est pas terrible. Si tu rationalises, donc, tu... Voilà. Dès que tu rationalises, de toute façon, ça ne peut plus marcher. C'est impossible. Parce que l'univers travaille beaucoup avec notre imaginaire aussi. Hein. Notre imaginaire va créer des choses. Mais si tu ne travailles pas avec ça, il n'y a rien qui se passe. Et oh c'est important. C'est très maman important. J'ai ma maman qui est là-dedans et qui m'apprend beaucoup de choses sur tout ça. Donc, voilà. Qui m'aide énormément d'ailleurs. Ah ben, heureusement. Ben alors, heureusement, il faut que tu parce suives. Que sinon... Suis, je crois. Voilà, suis ce qu'elle te dit parce que c'est important. C'est sûr. C'est important. Oui. Mais la seule chose, ne t'arrête pas autant. Ne t'arrête pas autant. Aussi, hein. Il faut surtout que tu bouges. Moi, je pense que ce serait bien que tu retournes voir ce qui se passe au niveau de ta formation. Parce qu'en plus, ça, c'est ce que tu aimes. Et puis, que tu réussisses à dégager la route, quoi. Ça va se faire, hein, mais il faut que tu bouges. Ça ne se fera pas sans ça. Tu sais, de l'autre côté, ils ne peuvent pas le faire à notre souci, place. Ce travail-là, voilà, le souci, c'est que ce travail-là, justement, c'est au niveau des horaires. C'est des horaires assez particuliers. Donc, sinon, après, du travail dans cette branche-là, il y en a. Ben oui, je pense. Il y en a énormément. Oui. Mais comme vous dites, voilà, j'ai l'appréhension du petit, vu ma situation, vu mon moral et tout ça, je me dis, bon, ouais. Le petit, comment je vais faire, je panique un petit peu surtout, quoi. Alors, lui, il te dit, tu trouveras des... Pied, voilà, il te dit tu trouveras des horaires adaptés. Il dit tu trouveras des horaires adaptés. Donc il faut que tu essaies de le faire alors. N'hésite pas à essayer. Va taper à toutes les portes. Oui, va taper à toutes les portes et montre que tu as envie d'y arriver, quoi. Oui, je baisse un peu les bras là, je vous cache pas que là en ce moment, au niveau du travail, je baisse les bras parce que bon, postule, ils nous répondent, mais voilà quoi. Ben oui. Toujours ou du non, ou ben, désolé, ou alors on essaie de changer de branche, et quand on change de branche, c'est pareil, oui, ben ça fait trop longtemps que vous l'avez fait. Ben oui. Il y a toujours quelque chose qui bloque, quoi. C'est pénible. Parce que tu sais. C'est pas encourageant, quoi. Oui, je sais que c'est pas encourageant, je te comprends, Mireille. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, ça provient de nous. C'est nous qui générons la réussite ou pas, hein. Voilà, plus ton moral est en bas, plus tes énergies sont en baisse, plus tu as de papillons noirs autour de toi qui te font un bloc et qui t'empêchent d'arriver au soleil. Et tout ça, on est très, très, très souvent responsable de ce qui nous arrive. Donc, on génère, quoi, en fin de compte. Et toi, tu le génères avec ta façon de dire, par exemple, ben, je vais pas trouver parce que les horaires vont pas être adaptés. Lui, il est en train de te dire que tes horaires s'adaptent. Ils seront. Voilà, il te le dit.
tu trouveras des horaires adaptés. Alors, ne pas. De toute façon, tu sais, il y a 50-50. Hein. Tu as une chance sur deux de réussir. Alors, prends celle où tu dis, bah, après tout, je vais réussir. Voilà, tu as une chance où tu ne vas pas réussir. Voilà, tu as un moment où tu ne vas pas réussir, un moment où tu vas réussir. Ben, toi, tu n'as qu'à prendre celui où tu vas réussir. Pourquoi pas, après tout. Il y en a bien d'autres qui réussissent, pourquoi pas toi. Tu vois. Oui, non, c'est vrai que ça me rassure. C'est ça, parce que bon, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Mais parce que c'est normal, c'est parce que comme il dit, hein, tu t'occupes pas assez de toi. Et alors, quand il dit tu t'occupes pas assez de toi, c'est aussi dans le sens du moral. Ça veut dire ne te laisse pas embrigader par ton moral. Ne te laisse pas enfermer dans la tristesse, dans l'amorosité, dans tout ça. C'est ça qu'il veut dire quand il dit... Dans l'attente, dans l'attente, voilà. Et oui. C'est pour ça, c'est ça qu'il a dit dès le départ. Hein. Et c'est pour ça, je comprends pourquoi il te parle de soleil. Hein. Ça veut dire que vois ta vie peut-être plus ensoleillée. Voilà avec du soleil, voilà avec la couleur jaune, voilà avec des choses comme ça. C'est ça qu'il a voulu dire dès le départ. Il doit bien voir, il doit bien. Ah ben oui, il est désolé, comme il dit, voilà. Il est désolé de te voir comme ça. Parce que, en plus de ça, d'après ce qu'il te dit, c'est que tu n'as pas l'habitude d'être comme ça. C'était dans une période comme ça, mais ce n'est pas ton habitude. Non, du tout. Oui. Peut-être quel signe Oui, c'était plus Sagittaire. Sagittaire, ben oui, un Sagittaire en plus, tu devrais. C'était plus combatif avant, oui. Ah, ben oui, c'est plus combatif. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il te dit ça. Je me dis, ça y est, les années passent, on se retrouve là, à cet âge-là, c'est pas terrible, quoi. Tu te rends compte, cet âge-là, 45 ans, mais t'es toute jeune. Alors maintenant, tu vas regarder dans l'autre sens. Tu vas te dire, bah oui, 45 ans, si je vis jusqu'à même 90 ans, regarde, il te reste 45 ans. 45 ans de femme mûre à travailler ou à faire une activité ou à vivre ta vie. Ou, voilà, tu as 45 ans encore devant toi. Alors, tu ne peux pas te baisser les bras en te disant, bah, ça y est, ma vie est fichue. Elle est loin d'être terminée, ta vie. Non, mais bon, c'est vrai qu'au niveau du travail, on se dit, bah, t'es, on est plus vieux, on est plus... Donc, est-ce que c'est pas l'âge qui leur fait peur? Je sais pas. Oui, maintenant, tu peux leur répondre aussi. J'ai peut-être 45 ans, d'accord, je suis plus toute jeune, mais je ne suis pas non plus vieille. Et j'ai une maturité d'esprit que les jeunes n'ont pas. Toi aussi, tu peux... Il faut aussi que tu travailles, oui, les interrogations qui vont te poser les employeurs ou les recruteurs. Il faut que tu répondes à des questions. Pendant l'entretien, oui. Pendant l'entretien, voilà. Donc, toi... Ils le disent pas, mais bon. Ben non, mais toi, tu peux le mettre en avant. Des jeunes et... Exactement. Mais toi, tu peux le mettre en avant parce que tu as ta maturité, tu peux être plus sûr de toi, tu peux... Maintenant, il faut que tu arrives à être plus sûr de toi aussi. Hein. Mais il faut te dire aussi que tu as beaucoup de temps encore. J'ai été beaucoup quand je travaillais à l'époque. C'est ça. Mais bon, ça m'avait beaucoup aidé dans mon travail. J'avais pris de la sécurité, c'est qu'elle le dit. J'avais confiance en moi, ça m'avait beaucoup fait évoluer. Ah quoi. Ben, je pense que ça doit... C'était dans l'accueil et tout ça qu'il y avait des choses à faire. C'est un métier qui doit faire évoluer, ça, oui. Je me régalais, quoi. Ah oui, mais c'est pour dans ça... L'accueil, c'était très bien, c'est vrai que c'était un plaisir. Ben, il ne faut pas que tu hésites à retrouver cette pêche-là. Il faut que tu la fasses, hein. Tu vas le trouver. Il te dit que tu vas le trouver avec des horaires adaptés. Donc, il ne faut pas que tu hésites. D'accord? Ok. Par contre, dites-moi comment il va. Je veux dire, il est dans la lumière. Il est... Ah ben oui, parce qu'il t'a dit, la première chose qu'il t'a dit, c'est je suis bien. Alors donc, c'est que s'il dit qu'il est bien, c'est parce qu'il est dans la lumière. Hein. Tu sais, ils sont rares ceux qui ne sont pas dans la lumière de plus. Hein. Dis-toi. Il n'y a pas souvent de défunts qui ne sont pas dans la lumière. En général, quand on passe le tunnel, on est attiré par la lumière et on va vers la lumière. Et on a de la famille, des amis, nos guides, tout ça qui viennent à notre recherche. Donc, c'est très, très rare les entités qui ne sont pas dans la lumière. C'est la première chose qu'on là, voit. Il a perdu son frère quelques années avant. Donc, il me dit qu'il est avec lui. Donc, j'espère. Qu'ils se sont retrouvés parce que bon... Là, il ne me le dit pas, mais il me dit simplement qu'il est bien. Et après, il a embrayé sur toi tout de suite parce qu'il doit penser que toi, c'est plus important que lui, quoi. Que ce que tu vis, toi, c'est plus important. Non, c'est gentil de sa part, mais bon, j'espérais être rassurée aussi. Oui, non, mais sois rassurée parce qu'au départ, il a dit tout de suite « je suis bien ». Et c'est de là qu'après, il t'a dit que toi, tu t'occupes pas assez de toi. Mais lui, il est bien. Et je doute que je m'inquiète, oui. C'est vrai que je me suis toujours demandé s'il allait bien. Si... Donc,
Oui, pour lui, alors, c'est occupe-toi de toi et tu t'occuperas de moi plus tard. Voilà, c'est ça. Il te dit, c'est ça. Je te demande de ne pas t'inquiéter parce que, voilà, ne t'inquiète pas pour lui. Lui, il n'a aucun souci de son côté. Par contre, lui, il se souciera plus de toi parce que c'est toi qui es dans le besoin. Ce n'est pas lui. Lui, il n'est pas dans le besoin. Il te demande de ne pas t'inquiéter pour lui. C'est de l'énergie. Il te le dit. C'est de l'énergie inutile. Voilà, tu perds ton énergie en t'inquiétant pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être. D'accord ? Mais il le sait, parce que quand je m'adresse à lui ou quoi, je lui dis est-ce que toi tu es bien aussi ? Parce que bon, voilà, quoi. Si moi je ne suis pas bien, qu'en plus il me demande s'il est. Si, j'ai pas envie aussi de lui casser les pieds, à lui dire à le contacter, quoi, en fait. Oui. Alors il te dit que. C'est vrai qu'il nous a toujours dit. Tu ne me casses pas les pieds, il te dit. Voilà, c'est ce qu'il met. Tu ne me casses pas les pieds. Et il dit qu'il est heureux de pouvoir t'aider. Donc, il ne faut pas que tu hésites. Il est heureux de pouvoir t'aider, c'est ce qu'il dit. D'accord ? Voilà, lui, ça lui fait très plaisir quand tu l'appelles et qu'il voit qu'il peut t'aider. Mais par contre, ce qu'il voudrait, c'est que tu, c'est que tu bouges. Ouais. Oui, oui, ça peut te rassurer. Il me l'écrit, là. Voilà. Oui, oui. Moi, c'est vrai que j'ai eu un énorme soutien à rapport à lui, quoi, je veux dire. Hein, oui. D'ailleurs, il est décédé au moment où j'ai eu ma séparation. Donc, c'est vrai que je me suis énormément adressée à lui, quoi. Adressée à lui, oui. Donc, après, on se dit, bon, le pauvre, il va en avoir marre, quoi. Il va se dire où. Il te dit qu'il est là dès que tu en as besoin. Voilà. Il est là dès que tu en as besoin. Est-ce que vous pensez... Est-ce que vous savez, il peut répondre quand on a l'impression de ressentir une personne, de ressentir la personne dans la pièce, Oui. Je sais qu'ils sont partout, mais bon, comment vous expliquer, je sais pas comment dire. T'as des endroits où on a l'impression que c'est lui. Oui. Bah quand t'as l'impression que c'est lui, c'est que c'est lui, hein. Ça c'est sûr. D'accord. Voilà. On a toujours ce doute de se dire, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est une impression, Tu le ressens des fois dans ta pièce. Tu le ressens ? Moi, oui, carrément. Quoi. Voilà, ben c'est ça. Oui. Mais c'est ça, c'est eux. Hein. Et quand j'y demande par le pendule, il me dit oui. C'est ça. Lui, quoi. Donc, alors, il nous a parlé de lumière. Voilà, c'est ça. Mais fais. N'hésite pas à lui demander ce que tu peux faire. Si tu as l'habitude du pendule, ben fais-le au pendule. Mais n'hésite pas parce que. Oui, ça me rassure de savoir que ça ne l'embête pas. Quoi. Ah non, ça ne l'embête pas. Et comme je te dis, c'est le temps que tu vas passer à faire ça, pour lui, c'est rien. C'est comme si il tapait dans ses mains à trois reprises et puis c'est tout. Hein. Et c'est tout le temps que tu vas passer avec lui, ça. C'est vraiment. Leur temps est tellement, tellement plus lent que le nôtre qu'on ne peut pas comparer du tout. Nous, on va à toute allure, nous, là. Tu sais, ça fait la même vitesse que, par exemple, notre vie à nous et la vie d'un insecte, par exemple, tu vois. Tu vois la différence. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, et plus ça passe très vite. Et plus ça accélère. Exactement. Parce que, oui. On évolue dans vibration, et tout ça, c'est pour ça. Ouf, je vois le temps qui passe, je vais me... Je suis obligée d'arrêter. Oui. Je m'ennuyais pas. Oh, pardon. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est rassurant. Ça m'a fait énormément plaisir. Voilà. Je le remercie à lui aussi. On va remercier Marc. Et puis, surtout, écoute-le. Et bouge, fais ce qu'il faut. Mais merci, Marc. Oui. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Jacqueline. Je vous dis au revoir et bonne soirée. Bonne fin de soirée, Mireille. Oui, allez, je suis là, j'entends, j'écoute. Bisous, Mireille. Merci. À bientôt. Bisous, au revoir. À bientôt. Attends. Voilà, c'était Mireille. Ah oui, c'était Mireille. Voilà. Alors, après, on va accueillir... Myriam. Qui voudrait parler à Jeanne, sa mémé. Oui. Dans le temps, on disait mémé, hein, c'est vrai. Maintenant, on dit mamie, quoi, non ? Eh oui, il y a quelques années maintenant. Puis ça dépend des régions, je crois. Oui. Je crois qu'il y a des régions où ils disent encore mémé. La mémé, c'est dans le sud ? Oui, plus dans le sud, oui, c'est ou sûr. Ou la mamé ou la mémé ? Oui, c'est vrai, c'est plus dans le sud. Ou le papé, comme dans... Aussi, oui, comme dans Marius. Voilà, Marius. Oh, tu me la joues, cette carte. Oh, tu me prends le cœur. Allez, on s'écoute Vanessa Paradis et... Le titre de la chanson, ce sera Marilyn et John.
Et donc après, ce sera au tour de Myriam. Donc voilà, à tous les souhaits. À tout de suite. Rendez-vous un mardi sur deux pour vos petites histoires de l'au-delà. Vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales. Venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission Les Petites Histoires de l'au-delà. Je vous attends, à bientôt, salut! Rendez-vous donc dans 15 jours pour justement les petites histoires de l'au-delà. Voilà, ce sera mardi, on saute le mardi prochain. Et le mardi d'après, ce sera à partir de 21h30. Donc si vous avez des petites histoires à raconter, n'hésitez pas, contactez-moi via le formulaire d'LTU Radio. Voilà, on reçoit Myriam. Allô, allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Myriam. Ah, ça, qui j'espère va me reconnaître depuis samedi. Ah, je sais pas, parce que des Myriam. Alors, c'est laquelle? Parce qu'il y en a eu samedi, alors, des personnes que j'ai rencontrées. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Eh bien, écoute, je suis venue te parler le soir au restaurant, à la fin. On a bien longuement discuté. D'accord. Restaurant chinois. Oui, voilà. Chinois, oui. C'est moi. Ouais, d'accord. Ouais. Ah, c'est toi, d'accord. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, alors? Eh bien, écoute, j'étais inscrite, donc depuis. Ben oui, voilà. Et puis bon, ben, malheureusement, j'ai pas pu dimanche venir à ta séance qui apparemment a été super enrichissante. J'ai eu des échos d'Aurore et tout, et c'était super. Donc voilà, donc j'ai pas pu m'y rendre. Bon, ben c'est dommage. Oui, mais elle m'a fait un petit topo, donc ça va. Ah bon, d'accord. Ouais, j'ai pris note. Et encore, elle voulait laisser sa place. Et je lui ai dit, ah non, 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 non. Tu es inscrit, c'est toi qui passes. Ah non, mais c'est vrai qu'on a tellement apprécié Jacqueline samedi, on a tellement passé un bon moment que ouais, c'était bien quoi. Ah oui, moi aussi j'ai passé c'était... un très très bon moment. Ouais, j'ai dit à Jeff, parce que Jeff va vous retrouver à la fin de l'année, et c'est lui qui y va. J'ai dit que c'est vraiment un public vraiment très agréable, et puis l'équipe aussi, l'équipe de l'assaut. Ah oui, vraiment, ils sont super et bien. Il y aura un atelier vraiment, aussi. Ouais, non, c'est vrai que très très agréable. Il y a une bonne entente, tout. Il y a une bonne entente. C'est clair. Bon, bah alors c'est bien. Ça va. Très agréable. Voilà, bon, alors nous, il y a ta mémé là. Si tu avais des questions à lui poser, ta mémé, ou tu venais comme ça, la fleur aux dents? Oui, j'avais des questions à lui poser, en l'occurrence. Oui, parce qu'elle elle m'a mis, simplement, elle a mis au départ, après tu poseras ta question quand même, hein. Ouais. Ma petite fille, elle dit, pourquoi es-tu inquiète? Tu peux ce que tu veux. Elle dit, tu peux ce que tu veux. Donc voilà, alors pourquoi tu t'inquiètes et alors que tu peux ce que tu veux? Pouvoir ce qu'on... Oui, dans la mesure où oui, c'est faisable et tout. Alors après, bon, bah, moi, ma première question... Oui, pourquoi tu t'inquiètes? Alors, pourquoi tu t'inquiètes? Bah, c'est surtout... en fait, y a pas mal de mélanges, hein. Il y a une accumulation de choses. Arrivé à un moment, c'est vrai que la moindre petite chose fait que c'est... Pouh, ça devient immense. Il y a le professionnel, c'est ça, voilà, c'est une accumulation de choses en fait. Et j'ai l'impression que je tourne en rond, ma vie tourne en rond et il n'y a plus de sens. Ah oui, ma vie ça, n'a moi. Plus de sens. D'accord. Tu as l'impression que tu tournes en rond et que ta vie n'a plus de sens. Tiens, c'est étonnant ce que tu dis là, c'est quand même rare ça. Et donc, comment tu sens ça, que ta vie tourne en rond? Parce que déjà, j'ai l'impression de ne pas avancer, que ça bloque. Pourquoi, d'où ça vient, je ne sais pas. Pourtant, je le veux, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. C'est ça le truc. Elle te dit, tu peux ce que tu veux. Donc ça veut dire que il y a des choses que tu peux, que tu voudrais, mais que tu ne fais pas. Moi, c'est comme ça que je comprends cette phrase. Tu peux ce que tu veux. Oui, c'est moi, ça que ça veut moi dire. Aussi. C'est pour ça. Alors, je ne sais pas si elle veut dire ça dans le sens de mon projet professionnel. Mais bien sûr que c'est ça. Que j'ai à faire. Bon, après, ça, il y a des choses aussi qui ne dépendent pas forcément de moi. Il y a un organisme aussi pour l'emploi qui doit aussi se bouger. Après, voilà. Après, à côté, je dois aussi
bah, me trouver quelque chose qui me fasse un revenu quand même en attendant, quoi. Mmh, et ça, ça se débloque pas. Et ton projet, il est de, sur quelle partie ton projet ? Alors, mon projet, moi, c'est être dans les soins énergétiques. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Dans les jours, les voilà. Mais tu as fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire que tu as fait une formation, tu as fait. Et ben justement, j'attends donc déjà le financement pour cette, oui. Pour cette formation. Parce qu'il y a les soins, donc tout ce qui est, bon, bah, ça, Reiki, lithothérapie, tout ce qui est ces choses-là, donc ça, ça va être financé par moi-même. Mais déjà, j'aimerais avoir la formation au niveau des massages énergétiques, avoir au moins les techniques, les bases. Oui, j'ai trouvé les écoles, j'ai fait les devis. Ah oui, c'est ça. C'est juste que bah, Pôle emploi doit se bouger un peu. Bon, j'ai confiance, c'est pas le souci. Mais en attendant, parce qu'au départ, moi, j'ai tout fait mon trajet dans ma tête. Hein. Voilà, pour moi, c'est ça ne sera pas en départ mon activité principale. J'aurai quelque chose à côté quand même. Oui, oui. Au cas où. Oui. Voilà, parce que se mettre à son compte, c'est pas évident non plus. Non, pas de voilà. C'est pas évident, oui, c'est sûr. Voilà, parce donc. Oui, vas-y. J'ai pris la décision de quitter mon travail, j'ai fait une rupture conventionnelle de là où j'étais avant. Ça ne me correspondait plus du tout. Donc je l'ai fait, ça, je me suis lancée, il n'y a pas de souci. Après, voilà, j'assume ce que... Des fois, je me dis, hein, je dis, oui, t'es bête, t'as laissé la CDI, mais qu'est-ce que... Non, mais bon, voilà, c'est des petits moments qui passent comme ça, mais après, il faut que j'assume. Donc, j'assume pleinement, mais je ne me voyais plus y retourner. Oui. Donc, ça, c'est clair. Oui, c'est que c'était plus ton endroit, hein, c'était pas ton lieu. Non, c'est... Ouais. Non, puis les personnes ne me convenaient plus du tout là-bas. Oui, c'est ça. Donc, voilà, je l'ai su par moi-même, puis bon, grâce aussi à mes... Voilà, à mes capacités, puis à mon intuition qui est assez importante, comme tu m'as dit samedi, c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Mais il y a encore le mental bloque encore pas mal. Oui, c'est ça, c'est surtout le mental. Hein. C'est le mental qui lâcher fait... prise, pas génial. C'est, hein. C'est ça. Ah oui, mais c'est terrible, hein, ce mental. Hein. Ça nous fait faire... ça nous fait faire deux pas en avant et trois pas en arrière à chaque fois. Hein. Ça, c'est... C'est ça. On est formaté à ça, je pense. Mais là, tu vois, moi, ce que je me dis, c'est que ta grand-mère te dit pourquoi es-tu inquiète. Donc, si elle te dit pourquoi es-tu inquiète, ça veut dire qu'elle sait pourquoi tu es inquiète et qu'elle trouve qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tu comprends ? Ah bah, parce que, je ne sais pas quelle vision elle a des choses. Eh ben, la vision qu'elle a des choses, c'est qu'elle voit que tout va bien dans le bon sens. C'est un petit peu, tu sais, la même réponse, je pourrais te dire, que Mireille, qui est passée juste avant toi. Ça veut dire qu'eux, ils voient les choses d'en haut. Ça veut eux, elle voit, ta grand-mère par exemple, elle voit que tu arrives au bout de ce que tu veux. C'est pour ça qu'elle a dit tu peux ce que tu veux. Ça te donne un indice aussi que tu es bien sur la bonne voie, que tu as fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche et que maintenant il faut que tu attendes calmement. Parce que le lâcher prise, c'est ça. Le lâcher prise, ça veut dire qu'on fait tout ce qu'il faut pour faire le projet, mais en attendant, une fois que tout est fait, il faut vraiment ne plus, comme elle te dit, ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète. Oui, se focaliser là-dessus. Voilà, parce que si plus tu vas te focaliser et plus tu vas, tu risques de tout perdre, quoi. Tu comprends ? Alors le bénéfice de. Alors il faut vraiment que tu fais lui. Quand elle te dit pourquoi tu t'inquiètes, ça veut dire que t'as pas à t'inquiéter. Normalement, t'as fait ce qu'il fallait. Va peut-être leur casser les pieds là à Pôle Emploi pour qu'ils se dépêchent de te donner ce que tu as besoin. Va les voir plus souvent et enquiquine-les jusqu'à ce qu'ils fassent ce qu'il faut. Mais toi, t'as fait tout ce qu'il fallait. Là encore, au niveau de tout ça, j'ai confiance. Ça, oui. Moi, j'ai donné tous les devis, j'ai donné tout ce qu'il fallait. Après, j'en étais même au point. Là, ça fait une semaine. C'est bon, je mets ça de côté. Il faut avant tout, là, pour subvenir aux besoins, il faut que je trouve un boulot, un travail qui me nourrisse. Voilà, que tu trouves n'importe quoi. Et puis ça, n'importe quoi, j'attends. N'importe quoi, je veux dire, en attendant. Quoi. Tu peux faire des petits boulots en attendant. Tu peux faire, c'est ça. Voilà, tu peux faire des... tout à fait. Mais bon, c'est pas faute de faire... des démarches, de postuler, mais il n'y a rien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse. Et même négativement, on ne me dit même pas, on a reçu votre candidature, pour le moment, on n'a pas de poste à pourvoir, mais on vous appelle si besoin, même pas. Oui. Ouais, ta grand-mère te dit, déplace-toi, est-ce que c'est parce que tu ne te déplaces pas, peut-être ?
Elle te dit déplace-toi. Bah, déjà, j'envoie beaucoup de... Ça fait 14 candidatures que j'envoie par mail où ils demandent CV, lettre de motivation. Après, ouais. On ne sait pas forcément où c'est les établissements. Ça passe par les conseillers Pôle emploi. Et oui, donc c'est pour ça. Et oui, j'envoie directement ou alors un mail, le siège n'est pas ici. Voilà, mais ça marque, voilà, écrire là. Et après, c'est vrai que je ne me déplace pas parce que je faisais par Pôle emploi. Mais après, oui, arrivé à un moment, je vais être obligée de... Ah oui, écoute, elle, c'est ce qu'elle te dit là. Déplace-toi, c'est peut-être que tu aurais plus de chance si tu te déplaçais. Ah bah oui, ça, il n'y a pas de souci, ça, je peux me déplacer, ouais. C'est vrai. Après, je vais essayer de faire un tri là où je peux postuler en premier et puis... Oui, et puis faire du... Parce que là, c'est vraiment du petit travail là, qu'il faut que tu puisses trouver, quoi, en attendant. Mmh. Après, les boîtes d'atterrim, je me suis déplacée aussi, ça s'est fait. Mmh. Après, mais oui, même là, même les boîtes d'intérim disent ici, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Donc, même les boîtes d'intérim vous le disent, alors c'est dingue. Et tu es sur Monceau-les-Mines ? Moi, je suis une petite commune après à Monceau, entre Monceau et Paray. Oui, c'est ça, à côté, quoi. Ouais, c'est l'avantage, je suis au milieu. J'ai Monceau, j'ai Paray. Je veux dire, j'ai vraiment les deux, mais bon, non, personne. Puis maintenant, c'est ça, il n'y a plus de respect, les gens, ils ne répondent plus. Voilà. Ah oui, parce qu'ils reçoivent tellement de demandes que du coup, ils se. C'est pour ça qu'il y a c'est pour ça qu'elle, à mon avis, c'est pour ça qu'elle te dit de te déplacer, parce que ça va être la personne qui va aller se déplacer, qui va aller taper à leur porte, qui va avoir les places. Hein. Ah ben, c'est sûr. Alors justement, là, on parle de déplacement, parce que, bon, ça c'était la première question, moi j'ai l'impression qu'ici, justement, il n'y a plus rien pour nous. Oui. On a fait le tour, il n'y a plus... Et est-ce que la décision, les démarches pour déménager, quitter cette région, on devrait le faire maintenant ou d'attendre ? Elle te dit oui. Oui, maintenant. Ah, ben déplace-toi, c'est peut-être ça ? Eh ben c'est pour ça, ça m'a fait tilt quand tu m'as dit déplace-toi. Ah oui, parce que tu vois, déplace-toi. Et ça m'a tilté. Ah, mais c'est ça ? Oui. Oui, j'ai eu comme un flash et je me suis vue partir. Ah ben c'est ça, il ne faut pas que tu hésites. Ouais. Parce qu'elle t'a dit oui tout de suite. Elle met oui tout de suite. Et déplace-toi, moi j'ai cru que c'était que tu parlais de Pôle emploi, alors je me suis dit, déplace-toi chez les employeurs, mais non, en fait, c'est maintenant que tu me parles de ça, non, c'est ça, ça veut dire déplace-toi, va-t'en. Oui, c'est ce que j'ai pensé dessus, je ne sais pas pourquoi. C'est à toi que ça s'adresse, donc elle s'adresse à toi directement. Oui, et quand tu m'as demandé après, elle a écrit oui tout de suite. Tu peux partir tout de suite, il ne faut pas que t'attendes. N'attends pas, c'est ailleurs que tu auras que tout va se mettre en place. C'est même sûr parce que c'est pas ici là. Bon, j'aime bien j'adore ma campagne, j'adore voilà, mais j'ai fait le tour, je sais pas, je suis à un moment là où j'ai envie de dire non, stop, j'ai tout fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'elle dit tu peux ce que tu veux, ça veut dire que ce que tu veux c'est de partir. Eh ben tu peux le faire, il faut que tu le fasses. Tu vois, maintenant je vois tous les mots qu'elle t'a dit, parce que tous les mots sont importants hein, quand on fait comme ça, quand on prend des messages. Et c'est pas, il y a aucun mot pour rien, tu vois. En fait, quand elle te dit pourquoi es-tu inquiète, ça veut dire ne t'inquiète pas, c'est que tout va bien plus loin. Tu peux faire ce que tu veux, ça veut dire que tout ce que tu mets en place, c'est bon. Là, déplace-toi, va-t'en tout de suite. Et ça veut dire que dès que tu vas partir ailleurs, tu vas trouver. Voilà, ta route, ça va être ça. Il faut que tu te dégages de là où tu es actuellement. Quoi. Après, bon, ça fait un peu peur quand même, parce que tout le monde nous dit mais attention, il faut de l'argent de côté pour partir. Vous ne pouvez pas comme ça, tout. Alors d'un coup, je me dis il a peut-être raison. C'est vrai que. Je sais pas. J'ai un mari, heureusement, il veut partir avec moi. Ça va ? Alors, c'est justement. Alors, suivez votre instinct et allez-y. Suis ton intuition. Suis ton intuition. Et puis là, elle te le dit, en plus, ta grand-mère. Elle le dit carrément. Hein. Donc, déplace-toi et tout de suite. Voilà. Donc, déplace-toi tout de suite, c'est ça. Parce qu'il n'y a rien dans ta région, ça veut dire qu'il faut que tu partes ailleurs. Ah non. Et si, en plus de ça, si ton mari est d'accord, il faut pas hésiter. Ah lui aussi, parce qu'il en a marre aussi. Je veux dire, il a qu'un CDD. Je veux dire, non, il n'y a plus de boulot. Il était à son compte, il n'y a plus de boulot pour lui non plus. C'est pour ça qu'il est retourné chez un patron. Voilà. La mémé, là, elle peut me dire si... parce que notre propriétaire, justement, nous, on est en location. Mm-hmm. Et dans un an, c'est la fin de notre bail. Et c'est pour ça on voulait aussi jouer un peu là-dessus. Ça va peut-être nous faire un déclic en disant, tiens, si le bail se termine,
c'est peut-être parce que c'est qu'il faut peut-être qu'on parte. Parce que s'il veut la vendre, nous, on ne peut pas la racheter. Voilà, elle te met, tu seras parti. Elle dit, tu seras parti. Ça veut dire que quand le bail sera fini, vous serez déjà parti, vous. D'accord. Voilà. Okay. Tu vois, quand elle dit tout de suite, c'est tout de suite, hein. Ça veut dire n'hésitez pas. Hein. Ça veut dire que c'est sûrement qu'elle voit que tu es dans la bonne ou tous les deux que vous êtes dans le bon créneau pour partir et trouver ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Je suis en train de regarder ouais. Les annonces et tout, moi. Je suis déjà partie, moi. Ah ben c'est ça. Mais c'est ça. Ben il faut que tu le mets-le en route, mets-le vraiment en route, parce que apparemment le créneau est le bon. C'est maintenant qu'il faut le faire. Au niveau astrologie et tout ça, tu dois être dans la bonne période pour faire ça. Alors, il me semble que l'année, là, c'était mon changement au niveau de numérologie, je ne sais plus. En plus. Ah, ben alors, si en plus. Il me semble, il faudrait que je redemande à l'aurore, mais. Ben écoute, si en plus tu me dis ça, ben, ça correspond tout à fait à ce qu'elle dit à ta grand-mère. Hein. Ouais. Parce que quand tu as parlé du bail, là, elle a tout de suite dit tu seras partie. Ça veut dire, tu vois, dans combien de temps. Le bail, on a encore un an. Voilà, c'est ce que j'allais te dire dans combien de temps. Ben voilà, dans l'année, vous partez, quoi. Ça veut dire, c'est ça. Ben ouais, ça se termine en août 2017. Et à mon avis, le propriétaire, il veut pas s'embêter à relouer encore pendant. Voilà, lui, il est en retraite. Il veut pas s'embêter avec ça, quoi. Ouais, là, il veut vendre. Donc, dans le sud, ça va, ça peut le faire. On veut partir dans le sud. Elle te dit oui, si tu le sens, c'est parce que c'est pour toi. Ah bah oui, le climat est pas le même, hein. Oh là là. Oui, c'est pour toi. Elle te dit oui, c'est pour toi. Donc il faut pas hésiter, allez-y, hein, allez-y. Et tu sais, il y aura autant de travail que vous avez ici, puisque de toute façon ici il n'y en a pas. Hein. Alors donc, tu sais, j'ai une jeune femme qui est partie justement, elle est partie du nord et elle est descendue directement sur la Côte d'Azur. Hein. Je lui ai dit, dis donc, t'as fait fort parce qu'elle a tout laissé, elle est partie comme ça. Et elle a trouvé du travail, mais dans les 8 jours qui ont suivi, elle a trouvé la maison pour se loger, quoi, son logement, et le travail. Mmh. Alors tu vois, dans les 8 jours. Aussi, c'est pour se loger. C'est pour se loger parce qu'ils vont nous voir arriver sans boulot. Ils vont nous dire, elle est arrivée sans boulot et elle a trouvé de quoi se loger et elle a trouvé le travail dans la foulée. Mmh. Mais elle, travail, pas de souci. Il faut vraiment que tu partes en étant sûr de toi. Si tu pars pas sûr de toi, tu te mets des bâtons dans les roues. Il faut vraiment que tu te dises. On est d'accord, voilà. il faut se loger avant pour être sur place pour trouver du travail. Enfin, c'est ce qu'elle a fait. Elle a cherché sur Internet, je crois qu'elle m'a dit. Elle avait trouvé sur Internet où se loger. Et puis, une fois qu'elle est descendue, elle a pris son logement, elle a cherché. Elle m'a dit dans les 8 jours, elle a trouvé du travail. Alors, donc tu vois, c'est ça se trouve. Hein. Et puis là, elle te dit. J'ai appelé une agence d'intérim tout à l'heure dans une grande ville. Là, on souhaiterait partir. Ils m'ont dit, on a de l'activité ici. Hein, il n'y a pas de souci. Hein. Et ben alors, c'est pour ça qu'elle te. Mais ça m'étonne pas que ta grand-mère te dise pourquoi tu t'inquiètes. Pourquoi tu t'inquiètes? Ça veut dire que tu as tout. Oui, parce que c'est quand même délicat aussi. Bah oui. C'est vrai que tout lâcher, j'allais te dire, qu'est-ce qui te retient après tout? Les amis, mais les amis, ils se feront un plaisir d'aller te voir dans le sud. Hein. Ah bah tout à fait, il y en a une à une, elle sera contente, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il va se faire un plaisir. Et puis toi, tu vas te faire des amis là-bas après, et puis tu vas. Tu sais, c'est ça la vie, hein, quand on n'a pas autre chose. Ah bah oui, autrement on n'avance pas, sinon on n'avance pas. Et puis là, non. S'enterrer dans ce trou, non. Là, c'est vraiment, je pense que oui, c'est un déclic, je pense. Voilà, c'est le déclic. C'est grand temps que tu le fasses, oui. Ouais. Mm. Ben écoute, il faut que tu le fasses. C'est grand temps. Eh ben écoute, voilà. Allons-y. Alors allons-y. Sinon, elle a un autre message pour moi. Tout va bien. Oui, elle va bien. Elle te dit qu'elle t'aime et te suit. Elle te dit pas qu'elle te protège. Elle te dit qu'elle te suit. Ah, ben c'est parfait. Et te suit. Donc voilà. Ben, elle doit être par là. Des fois, on la sent. Ma fille la sent aussi. Et il y a des petites choses, des fois, qui se passent dans la maison, là. Ou mon papy. Il y a quelqu'un, de toute façon.
Elle te dit bonne route. Bonne route, elle te dit. Donc ça veut dire que tu pars bien. Hein. Bon, bah écoute. Tu pars bien. Ouais, vas-y, ne te soucie pas. Et surtout, ne te mets pas des bâtons dans les roues en te disant que ça va pas marcher. Non, là je suis plus dans le sens, je veux y aller, je me donne à fond. Et puis mon projet professionnel, je pense que j'arriverai beaucoup plus ailleurs. Oui, je pense. Oui, même en donnant de mes capacités à d'autres, à une maison, quoi que ce soit, deux fois par semaine. Mais je me suis fait tout mon petit speech. Alors tu vois bien, donc ça veut dire que tout est prêt dans ta tête. Il faut le faire, il ne faut pas hésiter à penser comme ça. Il ne faut pas que tu retournes en arrière. Quand tout le projet est bien en place comme tu fais, c'est obligé qu'il se réalise. Donc positif amène le positif. Tout à fait, ouais. Oui. D'accord. Bon, je vais être obligée de te laisser parce que je vois que le temps tourne. Oui, bien. Ok, pas de soucis. Écoute, je t'embrasse. Je te remercie en tout cas, Jacqueline. Je t'embrasse. À bientôt. À bientôt, j'espère. Jeff, et merci. Salut. Bonne soirée. Au revoir. Salut, au revoir. Et voilà, c'était Myriam. Voilà. Myriam. Bon, on va terminer avec Brigitte. Oui, avec des amis. On va s'écouter Bobby Solo, Una lacrima sul viso. Oui, c'est bien ça. Da una lacrima sul viso. Oh, la belle voix qu'il a, Jeff. Morte cose. T'as qu'à faire de la radio et tu vas chanter. Et après, on a donc Brigitte et puis Bobby Solo. Voilà. Voilà. On se retrouve après. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne deltauradio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà. Il y a du souffle sur la ligne. Allô ? Oui ! Comment va Brigitte ? Allô ? Oui, Brigitte, tu vas bien ? Oui ? Oui ? Ça va. Oui, il faudrait que tu coupes ta radio, Brigitte. Oui, ça y est, je la coupe. Ça fait un retour. Oui. Voilà. C'est nickel. Ah, elle a de la voix, Brigitte. Oui, c'est une chanteuse. Allez, je vous laisse toutes les deux. Alors, voilà. Je dis bonsoir, Jeff. Bonsoir, Jacqueline. Oui, et bonsoir à tous mes amis du chat. Je connais tout le monde, là. Ils sont très gentils. Tout le monde est très gentil. Et il y en a de plus en plus, Brigitte. Et il y a beaucoup de monde ce soir. Hein. Oui, c'est vrai. Il y en a de plus en plus. Ils sont trop sympas. À part que quelques-uns qui viennent nous embêter, mais Jeff, il met de l'ordre. Oui, ben heureusement. Hein. Voilà, heureusement, il est là pour ça. Ah ben heureusement, oui. Mais c'est très rare. Hein. C'est très rare. On a eu deux fois. Deux fois, on a eu des ennuis. Oui. Mais c'était rare. Hein. C'est arrivé des fois. Ah oui, on se fait insulter. Deux fois. Bah, un qui était un peu malade. Ah oui, d'accord. À la radio. Oui. Sur le chat, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, il vient de mettre des grossièretés, puis voilà, c'est tout. Oh, des grossièretés, mais rien, je pense qu'il y en a toujours, comme ça. Ah oui, d'accord. Quand il y a de la lumière, il y a toujours l'ombre à côté. Ah, ben toujours, oui. Mais c'est bien. Ça permet, l'ombre permet à la lumière d'éclairer encore plus. Voilà. Ah, d'accord. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes. Oui. D'accord. À tout à l'heure. Merci. Oui, parce que ça file, hein, le oui, temps file. Il est déjà, un quart et ça passe. Ça passe vite. Bon, Brigitte. Oui. Donc, tu as des amis, là, Louis ou Roger. Oui. Hein? Oui. Bah, les deux, parce que c'est une histoire. C'est des personnes qui ont compté beaucoup pour moi dans ma vie. Parce que c'était le PDG de la société où je travaillais. Oui. Qui est décédé. Et je l'ai su par le directeur, Roger, qui est décédé aussi 3 mois après. Et qui m'a averti parce que j'étais toujours restée en relation avec ces deux personnes. D'accord. Oui. Voilà. J'étais partie du travail et puis bon. Et c'est des gens que j'aimais beaucoup parce qu'ils m'ont beaucoup aidée quand j'étais très malade. D'accord. Et quand je suis revenue, ils m'ont dit vous pouvez revenir quand vous voulez et vous ferez ce que vous voudrez. C'est très rare. Ah oui, en effet, oui.
Ouais, ils ont été très gentils. Alors, mon PDG. Oui. En tout cas, ils disent que c'était un plaisir de travailler avec vous. Ils te vous voyez ? Oui. Avec oui, vous, oui. Parce qu'il dit avec vous. Mais c'était un plaisir de travailler avec vous. Alors, c'est d'être Roger, parce que l'autre, c'est le directeur. Mais c'est. Comment vous dire ? Je faisais partie du comité d'entreprise, enfin, tout le tralala, comme il se passe maintenant, quoi. Et puis, bon, on a eu beaucoup de. Parce que j'étais pas toujours d'accord avec eux. Mais oui, j'allais défendre les gens. Ben bien sûr. Mais ils ont toujours, il a toujours. C'était quelqu'un de très, comment dire, ça n'existe plus beaucoup. Ça, il était très familial. Pourtant, c'était une grosse société. Ah oui. Mmh. Mais il aimait beaucoup les gens. Ben c'est ça, oui. Ouais. Puis moi, il m'avait pris en sympathie, je sais pas pourquoi. Ben c'est ça, et oui. Voilà, et pourtant, grand Dieu sait que je me suis disputée avec lui pour les personnes, je défendais énormément. Il m'appelait d'ailleurs l'assistante sociale. Oui. Oui, mais c'est pas grave. Il dit justement que la terre, est un monde difficile, et il dit c'est pour cela, c'est pour, en fin de compte, c'était pour ton caractère qui t'aimait bien justement. Oui. Voilà. Parce que j'ai toujours été très franche avec lui. Voilà. Ils appréciaient cette franchise et lui, alors celui qui vous voit, alors je ne sais pas lequel des deux, mais celui qui vous voit. Alors les deux, c'était le directeur, parce que le PDG, c'était un homme qui était beaucoup plus âgé que moi, et il me tutoyait. Ah oui, c'est mais ça. Pas dans le travail, pas dans les réunions, rien du tout comme ça. Mais autrement, il me tutoyait. C'est quelqu'un de très, comment dire, un père de famille finalement. Oui, c'est ça. Il avait pourtant des enfants, mais il était très gentil avec moi. Il t'avait pris sous son aile, quoi. Oui. Ouais, c'est sûr. Il m'avait envoyé une très belle lettre et puis ils ont été vraiment gentils tous les deux. Mmh. Parce que le directeur, bon, j'étais plus avec lui, parce qu'il y avait plusieurs dépôts dans la France. Et puis donc, moi, j'étais dans un dépôt, bien sûr. Voilà, il fallait. Je faisais partie aussi du conseil d'administration, tout ça. Alors, je me suis dit que c'était assez dur. J'ai eu beaucoup, beaucoup de. Je défendais toujours les gens qui étaient logiques, puisque j'étais là pour ça. Eh bien sûr. Et j'ai jamais rien demandé pour moi. Eh oui. Et j'ai eu de la chance parce qu'il m'avait donné son numéro personnel. Et quand j'avais un ennui avec quelqu'un, ou alors que les gens avaient besoin, il me disait : est-ce que tu peux demander ça, ça, ça ? Alors, je demandais tout le temps. C'était tout. Ben oui. Mais oui, mais c'est ça, c'était ça. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'à travers ce que tu faisais toi, eh ben eux, ils pouvaient avoir une action aussi. Ils ont pu avoir une action, mine de rien, comme on dit, tu vois. Mine de rien, ça veut dire que ça passait par toi, mais eux, ils pouvaient aussi faire la bonne action qu'ils avaient à faire. Ouais. C'était pas très bien avec leur personnel. Et moi, je le dénonçais. C'était normal. C'était normal, c'est pour ça qu'il allait voir après, bien sûr. Il allait voir après si c'était vrai ou pas. Hein. Mais je trouvais ça anormal qu'on puisse être comme ça. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que c'est en fin de compte grâce... ils peuvent pas toujours faire ce qu'ils veulent quand ils sont à la tête comme ça, parce qu'ils ont une entreprise à tenir. Hein. Mais en fin de compte... C'est une grande société. En fin de compte, en s'appuyant sur toi, il pouvait quand même faire les choses mine de rien, tu vois. Mmh. Voilà. Quelquefois, je lui ai fait du mal sans le vouloir, parce que c'est vrai que j'étais là pour ça, pas pour faire du mal, mais pour défendre le personnel. Une fois, ils avaient décidé comme ça de supprimer une prime, vous savez, pour les vacances. Et eux, comme ça, ils avaient décidé... c'est pas possible, mais comment ils vont faire les gens? Ils ont quand même des vacances, mais ils ont retenu des hôtels ou des camps ou je sais pas quoi. Mais comment ils vont faire? Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Alors je dis, j'ai téléphoné à tous les dépôts en disant que j'allais faire une lettre et puis voilà. Tout le monde aura arrêté le travail. Oh, je me dis pas comment il l'a attrapé. Ça venait pas de lui, parce que lui, il n'était que PDG finalement. Mmh. Et c'est ça, ça vient de plus haut. Quelque chose de plus haut. Ça venait pas tout à fait, ça vient de plus haut. On a quand même récupéré cette prime. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai attrapé? À la réunion, après, il y a eu une réunion extraordinaire. Je ne vous dis pas que toute la soirée, j'en ai pris. Des vertes et des pommes mûres. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, les gens avaient récupéré leur c'était le principal. Hein. Ouais. C'était ça le principal. Et toi, ça m'a fait
Et ta question, c'était quoi alors pour eux? Eh bien justement, ils sont décédés, je l'ai appris, le PDG est décédé avant le directeur. Mais il y a longtemps? Et puis, il y a longtemps? Non, c'est l'année dernière, simplement. Ah oui, d'accord, il n'y a pas longtemps, ouais. En 2015. Et lui, ça lui avait fait énormément de mal aussi, parce que forcément, il était resté très très bien avec lui aussi. Il m'avait dit, Brigitte, voilà, notre ami est décédé, alors ça m'a fait de la peine. Voilà, et puis bon, moi, j'ai pas pu aller en son enterrement parce que c'était pas à Rennes. Mmh. Et puis bon, bah, j'étais désolée. Et puis lui, il n'a pas pu aller aussi parce qu'il n'était pas très bien. Et mais trois mois après, lui, il est mort, le directeur aussi. Aussi. Et là, je n'ai pas pu aller à son enterrement parce que je ne l'ai pas su. Ah oui, d'accord. Sa fille avait oublié de me prévenir. Et là, j'étais très malheureuse quand même. Et personne, tout le monde trouvait drôle que je n'étais pas là, forcément. Mais je ne le savais pas. Hein. Voilà. Et je voudrais savoir comment ils vont là-bas. Il dit, lui, que ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ah bon. Voilà, oui, c'est voilà, c'est ça m'a fait beaucoup de peine. Voilà, c'est un petit temps pour de l'autre côté, quoi. Un petit temps pour l'autre côté, l'enterrement, et que voilà, ils me disent là, et ils parlent en même temps même que j'espère qu'ils se sont retrouvés. Pardon. J'espère qu'ils se sont retrouvés oui, tous oui, les oui, deux. Ils se sont retrouvés. Ils parlent en même temps là. Alors tu vois, donc. Oh, ça c'est bien, c'est formidable. Parce qu'en même temps, ils doivent être heureux. Ils doivent être heureux tous les deux. Eh bien, écoute, ça papote en tout cas. Je ne sais pas s'ils sont heureux, mais en tout cas, ça papote. Oui, oui, ils n'ont pas l'air malheureux du tout. Bah, ils ont encore beaucoup de choses à se raconter. Hein. Voilà, ouais. Et il dit, il trouve que c'est court, quoi. En fin de compte, le temps qu'on passe sur Terre est très court et qu'ils n'ont pas eu le temps de faire tout ce qu'ils avaient projeté de faire, en fait. Alors, je ne sais pas ce qu'ils avaient projeté, mais en tout cas, tout ce qu'ils avaient projeté, ce n'était pas fait. Bah, ils étaient peut-être. Bah, oui, ils n'ont pas été à la retraite ni rien, donc ils n'ont pas pu profiter de certaines choses, sûrement. Mais, ils étaient à retraite, hein. Ici. Ah oui, ils étaient à la retraite, mais ils n'ont pas. S'ils travaillaient toujours, ils n'ont pas dû profiter de grand-chose, si. Non, 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 bah, ils travaillaient tout. Ben oui, c'est pour ça, le temps était. Hein. Ouais, ouais. Parce que c'est plus ça qui ressort, c'est le fait de ne pas avoir su apprécier le temps de la Terre. Ah, d'accord. Pas avoir su l'apprécier. Il dit qu'on a tendance, quand on est ici, à toujours penser au travail, au travail, au travail. Oh ben oui, ça, ils pensaient tous les deux, évidemment. Ils avaient beaucoup de responsabilités aussi. Hein. Eh ben oui, c'est ça. Mais il faut savoir prendre un temps pour soi, c'est ce qu'ils disent. Mais ils le disent tous les deux. Hein. Mais ils disent surtout de pas vous culpabiliser parce que... Ben, je te dis vous, je te dis tu, parce que c'est ce qu'il dit. Oui, mais moi, ça je te fait dis rien, tu, c'est pas lui, grand. Il dit vous, alors du coup, je ne sais plus où on suit là. Il y en a qui me disaient vous, puis l'autre disait tu. Ah oui, d'accord, parce que là, c'est plus celui qui disait vous qui parle. Alors, je sais pas lequel. Ah, dit, alors, tant que là, c'est le PDG. Eh ben oui, c'est lui qui parle plus. Ah. Voilà. Et puis, il dit qu'il faut pas que c'est pas important, qu'il faut pas se culpabiliser parce que vous étiez pas là, parce qu'il a, voilà, il savait ce que vous valiez, il connaissait votre personnalité, il connaissait vos qualités, et puis voilà, qui vous avez été apprécié en tout cas pendant cette période de travail avec eux. Alors, ça a été. Oui. Enfin, je crois qu'il l'aimait bien. Ah oui. Il apprécie en tout cas. Et puis on est resté toujours en relation après, tous les ans. Vous trouvez juste. On ne se voyait pas. Il dit qu'il vous trouvait juste. Vous étiez juste. J'ai toujours fait en sorte que je sois juste. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'ils appréciaient, c'est que c'était juste. Vos demandes, tout ça, tout votre bataille, bah, tout ça, tout était juste. Il y avait déjà des dépôts qui fermaient à cette époque-là, croyez-moi. Ah oui, bah oui. Beaucoup de gens allaient en... Oh là là, qu'est-ce que ça faisait du mal de voir tous ces gens partir. Moi, j'ai essayé de les aider comme je pouvais, les orienter, de leur dire, mais allez là, faites ça. Mais encore, on pouvait trouver du travail encore à cette époque-là. Mais là, qu'est-ce qu'il y a eu des dépôts de fermés déjà à cette époque-là. Ah oui, beaucoup de chômage. Beaucoup de gens, beaucoup de chômage qui commençait à arriver. Hein. Qui commençait déjà. Je voudrais demander à Roger s'il a retrouvé sa fille, parce qu'il a sa fille qui malheureusement s'est suicidée. Il a eu beaucoup, beaucoup de chagrin. Je crois qu'il doit être avec lui, avec elle maintenant. Avec elle. Alors, oui, d'accord, c'est pas ça. Pas bien, elle s'appelait. C'est ça, oui. C'est ça, oui. Oui. Elle était avec lui. Il dit beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur depuis mon départ. Voilà, il dit que ça, qu'il a été très 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 malheureux. Hein, qu'il a passé une période où il pensait pas, il a pensé même à partir plus tôt. Hein.
Oui. Une fois que je l'ai eu au téléphone, j'ai essayé de le réconforter, mais il n'était pas bien. Ah oui, il y avait pensé. C'est normal, hein, sa fille s'est jetée par la fenêtre, alors croyez-moi que... Ouais. Oh là là, parce que... Il a tout fait pour ses enfants, il avait deux filles, mais il a tout fait. Ah oui, il a été très 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 malheureux, ce monsieur. Ouais. Et puis, par contre, il dit qu'il a la joie de pouvoir être avec elle là, le temps qu'elle va partir, parce qu'elle va partir là pour étudier, d'après ce qu'il me dit. Elle va partir, je pense que c'est pour travailler sur sa... sur son départ, sûrement, hein. Elle va travailler sur la vie. Oui, pour son départ, oui, je savais pourquoi. Ouais, je pense que c'est pour ça. Mais il a eu beaucoup de bonheur à la retrouver et puis à se rendre compte, et puis qu'elle se rende compte, elle, de ce qu'elle avait fait, et ce qu'elle aurait. Oui. Voilà. C'est bien eux, hein, c'est bien lui. Oui, c'est ça. Hein. Félicitations, Jacqueline, c'est bien lui. Merci. Ouais. Et puis. C'est formidable, là. Ça, c'est sûr, mais c'est vraiment lui. Oui, oui. L'autre, il a dû retrouver sa femme. Ah oui. Et puis, bien sûr. C'est un monsieur qui a été très malheureux, en tout cas. À la fin de sa vie, il a été très... Ah oui, à la fin de sa vie, oui. Il a, depuis que sa fille était... C'est ça, ça a été... C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure que je comprends mieux pourquoi tout à l'heure il disait que sur la Terre, on pense trop à travailler, puis qu'on pense pas assez à notre bien-être. Ben, c'est pas étonnant, parce que là, c'est un petit peu le regret qu'il a, c'est de pas avoir su mettre un petit peu de recul avec son travail et garder du temps pour sa famille. Oui, parce que c'est vrai qu'il passait beaucoup de temps à son travail. Ils avaient énormément de responsabilités tous les deux. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'est bien beau, les responsabilités. Il passait plus de temps au travail. Pourtant, il s'est occupé bien de ses enfants. C'était pas évident. Il était tout seul. C'était pas évident. Mais oui, seulement pour lui, pour lui, il aurait pu passer plus de temps. Pour les enfants, peut-être que c'était suffisant, mais lui, il en a manqué. Pas parce qu'elle était surtout celle qui avait ça. Elle était très, très exigeante. J'ai trouvé que... Mon père s'occupait peut-être pas assez d'elle, quoi. Eh bien, voilà, c'est ça. Eh ben, c'est pour ça qu'il dit ça. Hein. C'est la raison pour laquelle il dit ça. Oui, je pense que c'est pour ça. Ouais. Parce qu'il pense maintenant ça. Et... Ah, c'est bête, hein, quand même. Ouais, c'est bête, oui. Oui, c'est bête, c'est vrai. Sur la Terre, on ne se rend pas compte, quand on est sur Terre, que le temps passe et que... Ouais. Voilà, je pense qu'il faut un juste milieu en tout. C'est-à-dire, il faut travailler juste ce qu'il faut, s'occuper de soi et de sa famille et tout, juste ce qu'il faut. Vrai. On oublie un peu ça quand on travaille, hein, quand on a des responsabilités, c'est encore pire. Eh bien parce qu'on vit dans la matière et on vit dans ce monde où c'est la matière qui compte, c'est pas autre chose. Hein. Ouais. L'esprit ne compte pas beaucoup. Ça commence à se dégager et maintenant, de plus en plus, les jeunes... pensent plus à leurs enfants et qu'avant, je pense. J'ai l'impression. Ils se rendent mieux compte des choses. Mais là, c'est vrai que je ressens beaucoup de peine encore en ce monsieur. Oui, mais il n'y a pas trop. C'est l'an dernier. Ouais. C'était vers la fin que c'est arrivé. Je crois qu'il a été opéré. Il m'avait dit qu'il devait se faire opérer, mais tout s'était très bien passé. Puis il est revenu, je crois, à la maison. Et puis c'est quelques temps après qu'il est décédé comme ça tout subitement. Voilà. Mais je pense Il dit avec joie. Il est décédé avec joie. Ah, tant mieux. C'est ce qui m'a content pour lui. Avec joie. Ben, c'est-à-dire que il savait qu'il allait les retrouver. Hein. Qu'il allait retrouver sa fille. Oui, bien sûr, qu'il a retrouvé sa fille. Mais là, sa maman qui s'est occupée beaucoup de sa maman aussi. Oula, il a dû la retrouver aussi. Il adorait sa maman. Oui, c'est pour ça qu'il a dit beaucoup de bonheur. C'est la première chose qu'il a dit. Il a dû rencontrer sa maman, sa fille. Sa fille. Ça, sûrement, ça a été terminé très bien pour lui. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ah oui, c'est de l'autre côté. Ça... Heureusement que ça change. Hein. Parce que les gens qui sont très malades et puis qui reviennent bien. C'est ça, ils reviennent bien et puis ils ont encore un temps de l'autre côté à passer tous ensemble avant de continuer leur route ou à revenir tous ensemble ou à continuer la route chacun de leur côté. Mais heureusement, l'âme se repose et l'âme se soigne et tout ça. Elle pense ses plaies aussi. Hein, parce que c'est pas toujours. Même, des fois, on se dit cette personne, elle a une belle situation et tout. Elle doit peut-être nager dans le bonheur. Mais ils nagent pas dans le bonheur pour ça. Hein. Je me souviens, j'avais dit à un patron, j'ai dit, les riches, vous savez pas, il me dit, est-ce que vous savez si les riches sont heureux? Eh oui,
Et oui. Alors moi, j'ai répondu que je lui dirais que j'enregistrais. Alors, comme voilà, je suis, c'est ça. Je suis pas riche. Ouais. Je peux mais pas lui dire. Mais tu sais, quand on voit ce qui se passe dans ces mondes-là, quand tu les vois, par exemple, se droguer, quand ils voient, ils arrivent à se suicider aussi et tout ça, ça prouve qu'ils sont pas plus heureux. Si, hein. Si, si. Ils sont pas plus heureux. Si, bon, ils ont des ressources, quoi. C'est ça, c'est sûr. Hein. C'est ça, quoi. Puis ils ont d'autres personnes souvent au-dessus aussi, surtout dans les sociétés. Bien sûr. Ils ont un stress. Ils ont un stress pas possible. Hein, Oui. C'est ça. Oui. Nous, à notre niveau à nous, une fois qu'on a fini notre travail, on peut se permettre de partir avec des amis, de s'amuser. Ils ont des contrats à rendre, c'est vrai que quand. Voilà, c'est ça. Et ils sont toujours plongés dans leur travail, même quand ils sont en réunion. Quand ils sont en réunion de famille, ils ont des contrats à rendre, ils ont un tas de contrats à rendre. Moi, je vois bien, quand vous faites partie d'un tas de trucs comme ça, vous voyez la même, ça quand même, vous le voyez, vous vous dites, bon. Bien sûr, nous, voilà. Ils font pas ce qu'ils veulent, hein. Il y a des gens dessus. Non, c'est sûr. Voilà. Ils font pas ce... Alors, on est quand même bien à notre niveau aussi. Oui. Même si on galère pour avoir un peu plus de sous. Oui, parce que j'ai galéré aussi. Parce que aider tous les gens, quand ils sont partis tous les deux en retraite, vous savez ce qu'on m'a fait ? Eh bien, moi, évidemment, on voulait me mettre dehors parce que je faisais trop de... Trop de rafales. Ah oui, je défendais tout le monde, là, gna gna gna. Et ben moi, personne ne m'a défendu, à part le comité d'entreprise, bien sûr. Mais c'est pas grave, je regrette pas. Bien sûr, j'ai fait. Il faut faire ce qu'on doit faire sans s'occuper. Et voilà. Mais c'est parce qu'ils avaient peur aussi. Ils avaient peur de perdre leur travail. Moi, j'avais assez travaillé, je me suis dit, tant pis, hein. Mais je me suis pas laissé faire, bien sûr. Ben, moi, j'ai dit au PDG qui était parti en retraite, j'ai dit, maintenant, vous allez m'écrire des lettres, et puis on va les envoyer à l'autre PDG. Ah oui. pour me défendre. Ben, eux, ils m'ont défendu. Mmh. Voilà. Mais bon, je suis partie parce que j'avais assez de travail. J'avais 42 ans de travail, allait. Hein. Je pouvais partir. C'est largement. Je vais partir de la tête très haut. Bien sûr. Mais j'arrivais du travail des réunions, et ben j'avais plus de chaise, j'avais plus de crayon, j'avais plus rien. Ah oui, J'en ai bavé, hein, là. Ah ben oui, sûrement. Là, je peux dire que... Oui, puis ça faisait mal au cœur, parce que des années, j'étais là, et puis voilà. Mais c'est du passé, je regrette rien, Puis tu vois... Lui, il m'a défendu, hein. Ben oui. Ils ont profité. C'est ça, la Terre. C'est ça, la Terre. Les gens, ils... Bon, mais c'est comme ça, ils sont comme ça. Et je pense qu'ils avaient peur, et voilà. Et oui, les gens ont peur de perdre leur travail, et puis voilà quoi. Oui, ils avaient peur de perdre leur travail. On se déshumanise quand c'est comme ça, hein. C'est fou. Voilà. C'est fou comment les gens. Enfin bref, moi je regrette rien, c'est comme ça, ils étaient malheureux peut-être aussi, et puis bon, moi je pouvais partir, et puis c'est tout, mais ça a été un stress terrible. Ah oui, ça m'étonne pas. J'ai pleuré plus d'une fois, et je continue à pleurer. Oui, c'est pour autre chose. Mais pour mon mari. Oui, c'est pas pour... ah oui, mais ma vie n'a été que comme ça, mais je crois qu'elle doit être faite comme ça. Je crois que... Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, oui. Ouais, on peut rien faire contre tout ça. Et non, sauf garder les bons souvenirs. Oui, mais je les garde, vous voyez, je les appelle tous les deux, je les garde. Maintenant, il faut les garder. C'est des très bons souvenirs de Jeff et de vous, qui m'avez beaucoup aidé pour mon mari. Ah oui, d'accord. Si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ah oui, bah, merci de me le dire, parce que moi, je ne me souviens pas des messages que je reçois. Et j'aime aussi. Oh là là. J'ai tellement pleuré. Mais maintenant, bon, c'est pareil, ça n'a pas changé. Il est toujours aussi agressif avec moi. Mais je ne suis plus pareil non plus. Eh bien non, et puis tu te sens soutenue par tous tes amis autour et tout ça. Voilà. Et puis là-bas où il est... Des gens comme lui, on se soutient les uns et les autres. Oui, c'est ça. Il y a des psychologues, il y a un tas de gens qui t'aident quand même. C'est là que je dis quand même, il y a des gens gentils. Parce qu'ils connaissent la maladie, ils connaissent exactement. Tout ça. Voilà, c'est ça. C'est leur monde à eux. Ouais. Mais c'est terrible de voir. Je souhaite à personne d'avoir cette maladie. Oui, c'est... Mais c'est sûr. Mais ils sont dans. Et puis il y a toutes sortes de gens, des gens très instruits, des professeurs, bien sûr, bien sûr.
Il y a toutes sortes de gens qui ont cette maladie d'Alzheimer. C'est pas Alzheimer, mais c'est assimilé, tout ça, c'est la même chose. Oui, oui, et puis voilà, tu arrives, mon mari, il veut me taper, et je sais pas. Et qu'il était d'une gentillesse, il était un bon père de famille, un bon. Tout, quoi. Oui, oui, c'est normal. Puis, voilà, c'est normal, c'est parce qu'il y a une partie du cerveau qui est touchée. Et la partie, voilà. La partie du cerveau touchée, c'est la partie qui gère l'agressivité. Oui. Alors, comme elle ne gère plus l'agressivité, ben, c'est pas de leur faute. Et c'est sûrement, il ne dit rien aux autres. Et c'est pas de leur faute. Non, non, ben parce que voilà. C'est parce que c'est moi qui l'ai mis là. Voilà, c'est ça. Mais oui, pour lui, il se rappelle de ça. C'est ça. Oui, oh ben oui là, c'est cette chose-là, il s'en souvient. Mais c'est pas de sa faute, c'est vraiment parce que c'est cette partie qui est touchée, qui peut plus, il peut plus le gérer. Et normalement, il doit avoir un traitement qui fait. Mais il y a un traitement qui fait rien du tout, parce que c'est pas Alzheimer lui finalement, c'est des AVC qu'il a fait. Oui, c'est des AVC, voilà. Mais ils ont des traitements. Oui, traitent, mais ça lui fait rien. C'est toujours après moi qu'il en a tout. Il y a quelqu'un. Heureusement que j'ai des gens autour de moi qui sont là, et puis monsieur Chauvin, ils vont le chercher, puis ils disent rien, c'est toutes ces personnes. Faut pas toucher madame Chauvin. Et puis, mais c'est pas de sa faute, et quelquefois il va venir et il va m'embrasser. Ouais, c'est pas de sa faute. Et il va me dire je t'aime toujours. Voilà, des trucs comme ça. C'est terrible. Hein. C'est terrible, je vois. Puis quand on est tous six là-bas, mais vous verriez ça, les hommes comme les femmes, mais c'est non. Je ne peux pas dire comment c'est. Ils sont très bien, hein, ils sont très bien traités. Moi, je le sors, il y a tout ça. Je le sors pas en dehors, il y a un petit jardin, il sort. Il déambule jour et nuit. Oui, c'est ça. Il n'arrête jamais. Ouais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ils ont du mal à le faire dormir, mais il va s'épuiser. Hein. Ah ben oui, c'est sûr. Ouais. Voilà. Je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Je ne veux pas que je pleure, parce que l'autre fois... il était triste. Et vous aussi. Alors moi, je ne vais pas faire pleurer les gens. Brigitte, on est en retard déjà. Oui, voilà, c'est sûr. Oui, excuse-moi. Bon, ça y est, c'est terminé. Voilà. C'est terminé. Gros bisous, Brigitte. Sacré gros bisous à tous et à tout le monde sur le chat. Ils sont tellement gentils. Voilà. Je vous embrasse tous. Oui, d'ailleurs, on te met des petits mots. Courage, Mimia. Courage, Mimia. Voilà ce mais tout le monde est gentil. Je n'ai jamais vu une radio comme ça. Voilà. Ah ben oui, Brigitte, on t'embrasse. C'est tellement gentil. Brigitte, je t'embrasse de la part de Paola. Moi aussi, je vous les embrasse tout le monde. Allez, au revoir. Allez, au revoir, oui. Au revoir. Ah oui. À bientôt. À bientôt. Bisous. Et ben voilà, c'était. Brigitte. Voilà. Brigitte. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On parle de suite ou on attend, on met la musique ? Ben, comme tu veux, toi. C'est comme tu veux. Allez. Si tu as du temps derrière, ben oui. Ben, si tu veux. Oui, bon, on va mettre une petite musique et puis on voit ça après. On passe un petit. Ouais, juste une petite musique histoire d'eux. Ouais. Hein ? D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme musique si je n'avais pas préparé en fait ? Et puis, comme je vois de moins en moins. Ah là là ! Ah Seigneur ! Allez, j'ai le droit aussi, je prends au hasard. D'accord. Allez, Calogero. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur ltu-radio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, et donc jeudi, comme je l'annonçais hier et avant-hier, on reçoit Fabienne Vaste, qui est l'auteure du livre « Vue d'en bas ». Voilà, et Fabienne Vaste s'occupe également de l'association Génération Confondue à Rouen, vu qu'elle est présidente de cette association, et je crois que Christian Cambois est vice-président, il me semble. Voilà, donc on reçoit cette personne demain, et voilà, c'est quelqu'un de formidable. Elle est musicienne aussi et balèze, quoi. Voilà, on retrouve Jacqueline pour La Plume de l'au-delà. Et c'est l'avant-dernière pour toi, Jacqueline. Oui, ou peut-être même la dernière, je ne sais pas. On va voir ça dans la semaine avec toi.
Oui, ben je voulais prendre ce petit temps pour embrasser tous les auditeurs, les remercier de m'avoir suivi pendant ce temps-là. Je ne sais plus combien de temps ça fait, combien, 2 ans ? Oh, 2 ans facile. Oui, 2 ans. Je suis obligée de vous quitter parce que j'ai un ennui de santé. Je viens juste de l'apprendre voilà, depuis quelques jours. Et voilà, donc je vais ne plus pouvoir être sur la radio le mercredi. De temps en temps, j'ai dit à Jeff s'il a besoin d'une interview par-ci, par-là, voilà, je le ferai. Mais jusqu'à je ne sais pas quand, je suis obligée de vous quitter. Croyez-moi, avec beaucoup de... Voilà. Je ne dis pas de chagrin quand même, il ne faut pas exagérer. Ah non, parce que tu vas mais beaucoup d'émotions, je dirais. Voilà. Et oui. Je vous aime tous profondément et j'ai passé de très très bons moments avec vous. Voilà, voilà, je vous embrasse. Merci à tous. Oui, merci oui. À toi. Merci à toi, Jeff, aussi, de m'avoir proposé ces beaux moments parce que c'était à la suite d'une conférence que tu m'avais proposé ça à Brest. Oui. Oui. Et puis, bon, voilà, pour moi, c'était vraiment une belle aventure. On se connaissait quand même avant. Parce que oui, on se connaissait avant. Et oui. J'étais venu te voir à Poitiers aussi. Et oui, au début de notre association. Et tu m'avais appris faire un hug. Un hug. Oui, un grand hug. On s'était pris dans les bras et tu m'as dit, on fait un hug. Oui, c'est vrai. Donc voilà, il y a pas mal de conférences que je vais être obligée d'annuler, tout ça. Et puis, mais bon, on se retrouvera un petit peu plus tard. Sur voilà. Le chemin. Il y a une épreuve à passer. Puis voilà, tout à fait. Voilà. Mais voilà, je suis partante. Oh non, tu es restante. Je vous embrasse tous. Tu es restante. Je vous souhaite une bonne continuation avec toute l'équipe. Voilà, alors il y a des mots comme ça. Bonsoir Jeff et Jacqueline. Kata, plein de bonnes énergies pour toi, Jacqueline. Oui, oui, je les reçois. Je reçois, je reçois vos énergies. Oui, Jeff, je t'entendais plus. J'ai du mal. Jeff. Oui. Moi, je te fais un grand hug, Jeff. Oui. Mais tout va aller bien, et puis voilà. Je vous donnerai de mes nouvelles de temps en temps. D'accord, si j'arrive à passer sur le chat, je le ferai, parce que j'ai du mal avec les ordis, moi. Oui, mais ça va, ça va. Alors, je demanderai à mon amie Christine, Marie-Christine, de m'aider, et puis comme ça, de temps en temps, je vous rejoindrai. Oui, bah oui. Ok, et puis toi, de toute façon, hein, on s'appellera. Oui, je sais que je vais descendre. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon, bah pour le coup, j'arrive plus à lire. C'est l'émotion aussi. Voilà quoi. Je suis sensible. Hein. Oui, t'es très sensible, Jeff. Il va falloir que tu apprennes à te faire des boucliers. Oui. Mais c'est pas. Moi, je suis comme ça. Alors, il y a Cathy, de tout cœur avec toi, Jacqueline. D'énormes bisous. Énormes. Nanou, bon courage, Jacqueline. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bisous, prends soin de toi. Daniela, soigne-toi bien, Jacqueline. Nous t'aimons aussi. Oui. Nizou. Jacqueline, nous aussi, on t'aime. Bisous. Et on est avec toi. Oui, moi aussi. Je vous aime très fort. Merci, Jacqueline. Bon courage, Jacqueline, et soigne-toi bien. Je vais pas tous les lire. Non, merci. Je sais qu'il y a beaucoup de monde. Il y a énormément de monde. Voilà, donc j'ai voulu passer un petit moment de plus avec vous pour vous l'annoncer. Puis je sais que vous serez là et je reçois les énergies. Donc voilà, je sais que vous serez tous là. Mais je vous tiens au courant de temps en temps. J'appellerai Jeff pour faire une petite interview quelque part. Et puis. Ok. Ouais. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là parce que sans ça, vous allez finir par me faire fondre en larmes et j'ai pas envie. Ouais. je vous embrasse très très fort tous. Bon, j'espère que tu feras la dernière la semaine prochaine quand même. Ben, je te dirai ça la semaine, ça va dépendre comment je vais me sentir. Voilà, d'accord. Oui, il y a pas de problème. D'accord.
Allez, on va se passer le générique. Gros okay. Bisous. Au revoir à tous. Bisous, Jacques. Gros bisous.